Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 17 juin, c'est peut-être une date qui rentrera dans les mémoires et dans l'histoire. Il y a quelques jours encore, les guépards du Bénin arrachaient 3 points précieux face aux Amavubi du Rwanda sur tapis. Mais il faut rêver plus grand pour aller plus loin et le rêve peut commencer déjà à partir de ce soir. Et ça, il faut le faire. Guénot Ror et ses poulains peuvent déjà à partir de ce soir même commencer par se rapprocher de la Côte d'Ivoire pour la CAN de 2023. Mais entre ce rêve et la réalité, il y a parfois un grand fossé. Il faut bien s'y prendre face aux champions d'Afrique en titre, auteur pour l'instant d'un parcours sans faute dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans un groupe L où il n'y a plus qu'une seule place de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et la seule place disputée par à la fois le Bénin, le Rwanda et le Mozambique, il faut manger du lion ce soir pour les guépards, pour rêver d'être en Côte d'Ivoire déjà au mois de juin prochain. C'est un grand moment du football béninois qui s'annonce dans moins d'une heure, au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou pour les guépards du Bénin qui peuvent écrire l'histoire. Et pour animer ce plateau avec moi ce soir, je suis bien entendu en compagnie d'Edmé Kodjo, ancien sélectionneur national du Bénin, qui connaît très bien cette équipe du Sénégal pour l'avoir affrontée au moment où il était encore aux commandes. Il va partager avec nous son expérience et la connaissance qu'il a de cette équipe des Lions du Sénégal, champion d'Afrique en titre. Edmé Kodjo, bonsoir. Bonsoir, les citoyens du monde, bonsoir. Ça fait du bien de sentir votre présence. Je vous en prie, ne changez pas de position. Je reste dans ma position et vous aussi d'ailleurs, gardez votre position. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h au coup de sifflet final de cette rencontre. Nous serons là à la mi-temps également pour décrypter cette rencontre en compagnie également de Serge Lamaré-Mongbe, directeur sportif de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Bonsoir Serge. Bonsoir, merci infiniment pour l'invitation et pour pouvoir vivre ces instants qui sont très importants pour le football béninois. Voilà, donc deux regards de techniciens sur cette rencontre, amis sportifs, nous serons donc gâtés ce soir. Il y aura également le regard d'un journaliste sportif, Rolando Kouchan. Rolando, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir aux amis téléspectateurs, toujours content d'être avec vous. Je crois que c'est l'histoire qu'on va créer tout à l'heure. À 22h, tout le monde sera content. D'accord, voilà, l'optimisme déjà sur ce plateau. On espère bien, comme vous l'avez dit, que l'issue de cette rencontre donc sera très favorable pour les guépards du Bénin. Les guépards du Bénin qui ont déjà annoncé les couleurs hier en conférence de presse. On va partir avec la régie pour suivre Guénot Ror qui a fait ses déclarations face à la presse. Veille de match, nous étions ce vendredi. Défi, c'est simple, c'est de tenir tête à cette grande équipe sénégalaise qui est invaincue en Afrique depuis très longtemps, qui a gagné tous ses matchs de qualification pour le moment et qui mérite d'être reçue, je veux dire, avec respect, mais aussi avec ambition. Car même si ce match n'est pas encore décisif, on le sait parce que quoi qu'il arrive, ça sera la dernière journée qui sera décisive, quel que soit le résultat. Ça sera au Mozambique qu'il faudra faire un résultat aussi, puisqu'on a été battu ici contre le Mozambique. Donc c'est le goal average particulier qui, dans ces cas-là, compte. Donc c'est un match qui n'est pas encore décisif, mais c'est un match important pour voir si on a progressé, pour voir si on ne va pas encaisser 5 buts comme le Mozambique, par exemple. On a vu des titres hier dans la presse sénégalaise que la grosse armada est là pour nous exploser. Donc on va essayer de ne pas se laisser exploser et de tenir tête à cette grande équipe sénégalaise. Bon, la première question, comment on aborde ce match demain? Nous sommes un challenger. Nous n'avons pas encore remporté un match sur le terrain. On en a gagné un sur tapis vert. Et évidemment, l'envie de créer la surprise, elle est là. Il faudra être bien organisé. On sait que leur armada offensive est capable de marquer des buts pratiquement à chaque attaque. Donc c'est notre défi, c'est de présenter une meilleure défense que la dernière fois. Et la défense, c'est question de toute l'équipe. Ce n'est pas seulement les 4 ou 5 défenseurs. Peut-être qu'on va jouer encore avec 3 défenseurs centraux, puisque Cédric, maintenant, Moutonji est rétabli. Donc ça va nous permettre d'avoir une bonne base défensive. Et chaque fois que nous avons le ballon, procéder par attaque rapide.
parce que je pense que les Sénégalais, même s'ils sont très athlétiques, peuvent avoir peut-être aussi des moments de déconcentration et avec la volonté de bien faire, avec la technique que nous avons quand même des atouts offensifs aussi qu'on voudrait voir, mais tout doit être basé sur des fondations solides. Les joueurs savent que ce match est important, surtout que devant son public, le stade sera plein, montrer un beau visage, le visage d'une vraie équipe, solidaire, joueuse, offensive, capable de faire de belles choses, mais aussi de bien défendre ensemble, parce que c'est une condition sans laquelle nous ne pourrons pas tenir contre cette armada offensive. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, nous sommes dans le rôle de challenger, mais nous sommes à la maison et on aimerait bien en profiter parce qu'on a le soutien de nos supporters. On a, à condition qu'on fasse comme contre le Rwanda, un bon match. Le résultat va venir. Je pense que si on joue bien, on a aussi la chance de faire un résultat. Et si on n'a pas gagné encore un match, on en a quand même gagné un. Parce que Et voilà donc, c'était là les propos du sélectionneur national du Bénin, Guénot Ross. C'était hier veille de match, alors qu'on aperçoit déjà les premières images du stade de l'Amitié, surtout les vestiaires, et voilà le vestiaire sénégalais. Ils sont tous là, tous les grands noms du foot sénégalais ont posé leurs valises depuis hier déjà aux environs de 13h, comme on le voit avec les trois gardiens de but, Diop, Dieng et Gomis, qui seront au stade. Sabali également est là, comme vous le voyez, un stade... Voilà, qui depuis quelque temps est devenu, on va dire, une grosse citadelle où beaucoup d'équipes africaines sont venues déjà disputer leur match de qualification. On aura certainement, on a eu précédemment les images également du vestiaire béninois, les Béninois qui vont évoluer avec un tout nouveau équipementier ce soir, à savoir Macron. Alors, Edmé Kodjo, vous avez été à la tête des écureuils du Bénin en son temps. Vous avez eu la chance d'affronter cette équipe du Sénégal. C'est vrai, les années sont passées. On a également, le direct oblige, permettez qu'on reste avec, collé à ces images du direct, l'arrivée des Lions de la Teranga. Alors, quand on est champion d'Afrique, quand on a déjà fait 4 matchs d'affilée dans les éliminatoires sans défaite et qu'on est déjà qualifié, comment est-ce qu'on voyage, comment on se sent pour un déplacement à Cotonou, notamment avec Sadio Mané, voilà, qui est en train de faire son entrée au stade. Tout à fait. Vous avez évoqué un paramètre qui est très important, que tous les ténors, c'est-à-dire que les capots de cette équipe sont présents. Ils n'ont pas réussi. Ils pourraient se dire, bon, c'est pratiquement les vacances. Oui. Ça veut dire qu'on sent du professionnalisme. On sent que vraiment, c'est des gens très sérieux, oui, qui ont des objectifs précis et qui tiennent vraiment à dérouler jusqu'au bout. Donc, dans un premier temps, c'est ce que l'impression que moi, ça me donne. Dans le passé, et je pense... aussi, je ne vous coupe pas, on va y revenir sur votre expérience à la tête de cette équipe au moment d'affronter les Lions de la Teranga. On voit également l'arrivée du bus des écureuils du Bénin avec Tosin Ayegun. Ils sont tous également là, le grand rassemblement, donc, pour affronter cette équipe du Sénégal. Ce bus flambant neuf, donc, on va dire, inauguré hier seulement avec les écureuils. Avec les guépards, on a également, ils sont tous là, Mathieu Arlin V, voilà, et Ola Etan Junior, voilà, ils sont tous là, très applaudis, avec Rodrigue Kossi également, voilà, Bouraïma Imoro, Jodel Dossou, voilà, Marcelin Coupeau, voilà, la confiance dans le visage, Satuné Alagbé, ça se voit. Un mot, Rolando, sur ces images que nous sommes en train de vivre qui nous proviennent du stade. Non, ça, je crois que ces images nous plongent déjà dans la faveur de ce match, dans la pression aussi, puisque c'est le Bénin qui joue et c'est un match très important. Il faut gagner ce match-là pour pouvoir espérer faire de même en septembre prochain, puisque ça dépend de notre qualification. Et donc, j'ai vu les joueurs très concentrés, ce qui est normal, ce qu'on demande à des joueurs c'est à quelques minutes de ce grand match, et donc très concentrés, je crois que... Ouais, elle a dit toujours, toujours, hein, toujours avec l'équipe. Au cœur de cette équipe, ouais. C'est ça aussi l'importance, coach Lamaré Mongbé, d'un ancien joueur, d'une icône du football autour de la jeune génération.
Bien sûr, c'est un souffle qui était apporté pour faire valoir un petit peu l'expérience d'antan et qui aujourd'hui est une bénédiction au vu du résultat de l'équipe du Sénégal. Ils sont champions d'Afrique. C'est une image, c'est un très émouvante. C'est un match très émouvant aussi de rencontrer une formation de cette acabit. Et je crois qu'il faut relever le niveau, tout simplement. Bénin se veut en Côte d'Ivoire et pour cela, il faut relever le niveau. C'est vrai qu'on a un champion africain en face, mais il faut faire valoir les armes qu'on a à la maison pour faire valoir également son travail et ce qui peut advenir justement de ce qui a été opéré jusqu'à maintenant. Ah, ça peut être possible au bout de cette rencontre. Alors, coach, on revient sur les confrontations Bénin-Sénégal ou Sénégal-Bénin, c'est jamais simple. On sait que ça se joue souvent à une différence près. On n'a pas souvent de gros score, de large score. Oui, c'est vrai. En juin l'année passée, il y a eu un 3-1 en faveur du Sénégal, mais c'est rare pour être souligné dans les confrontations Bénin-Sénégal, souvent très serré. Oui, très serré. Je pense que côté sénégalais, ce qu'on peut admirer, c'est qu'ils ont des structures opérationnelles. Malgré les années qui passent, on voit que vraiment, ils sortent toujours des joueurs vraiment d'élite, des joueurs de qualité, des joueurs qui ont franchi les étapes d'apprentissage. Je suppose que nous aussi, présentement, on est en train de reprendre ce chemin, doucement, mais sûrement. Donc, pratiquement, ce soir, nous avons une équipe pratiquement jeune, une équipe qui va pouvoir quand même se battre et discuter à armes égales. Et je pense que dans le passé, si on a fait 0-0 à Kourounou, avec cette grande équipe du Sénégal qui venait de la CAN un mois avant et qui était vraiment en pleine forme, on pouvait quand même tirer le chapeau à des joueurs comme Bessan Léon, Gouda Sanou, des jeunes qui ont été encadrés seulement par deux professionnels, Mouna Chiro Amadou, et vraiment qui savaient mouiller le maillot. Donc ça veut dire que Dieu a donné à tous les pays un potentiel qu'on doit mettre en valeur. Et si on commence par mettre ce potentiel en valeur très tôt, et qu'ils vous souviennent qu'au Sénégal, Diouf était arrivé pour la première fois. Et Diouf a fait des déclarations qui pourraient faire vraiment fuir les écureuils de cette époque. Parce qu'il a dit, lui seul, il m'a 4 buts. Donc, des déclarations très poussées, très vraiment osées. Très poussées, que si les autres en rajoutaient, que le Bénin va repartir avec 8 buts. Et c'était des jeunes joueurs comme Teko. Et consommer, dis donc, je vous assure, il n'a pas marqué un but. À la fin, il a dû jeter ses paires rouges dans la tribune pour en fait. Donc, pratiquement, ça veut dire que nous pouvons, si nous, on se prend au sérieux sur la ligne de départ, quand on parle de la ligne de départ, c'est que ça veut dire que les plus jeunes ont des prédispositions qu'il faut fouetter, développer, activer très tôt. Et quand c'est activé, parce que normalement, quand on dit avant 15 ans, tout ce qui est affinité technique doit dire. Mais donc, pratiquement, toutes ces étapes doivent nous conduire un jour à une nation de football. On ne doit plus trembler. Si on perdait, ça va être une catastrophe. Mais je pense qu'on va y arriver puisque nous avons des responsables, sinon le premier responsable qui est très ambitieux et qui est prêt dans un pays où tout est urgent. Je pense qu'on met les petits plats dans les grands pour que le moment venu, sur la ligne de départ et sur la ligne d'arrivée, on voit les couleurs du Bénin flotter très haut. Alors, Sénégalais et Béninois repartent déjà au vestiaire, c'est ce que nous voyons du stade, des images du stade. Il faut aller se changer, porter donc la tenue de combat de ce soir et revenir pour la confrontation entre l'équipe du Bénin et celle du Sénégal. Alors Serge, on rappelle, ou plutôt Rolando, on rappelle un peu que c'est vrai, autant on parle de l'obligation pour le Bénin de gagner ce match pour faire un pas de plus vers la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est déjà qualifié. Mais il faut aussi rappeler un peu le contexte de ce match. C'est vrai qu'il ne se joue pas à domicile pour le Sénégal, il se joue à l'extérieur. Mais il y a derrière tout un peuple qui vit actuellement des conditions sociopolitiques très tendues et qui peuvent être réconciliées le temps d'un match et qui peuvent retrouver, on ne sait sinon jamais, un nouveau souffle suite à une victoire. On sait que le football est capable de souvent opérer ce genre de magie. Oui, je crois que le contexte n'est pas
à écarter justement de cette rencontre. Ça pourrait galvaniser également les joueurs sénégalais. J'ai un ami journaliste sénégalais qui disait que si cet après-midi et ce soir, autant pour moi, le Sénégal arrivait à perdre ce match, que ça va être catastrophe au Dakar, à Dakar. Donc c'est vrai, le contexte est un peu dur pour eux, mais nous aussi le contexte est également dur pour le Bénin. Et sportivement. Donc, oui, sportivement. Donc chacun cherche. Nous aussi, si on n'arrive pas à gagner ce match, ça va être très difficile. Tout à l'heure, c'est vrai, vous avez parlé des confrontations. Le coach est là pour les éliminatoires de la CAN 2016, je crois, c'est le coach qui avait cette équipe-là. Le Bénin n'a jamais gagné le Sénégal. On a fait match nul et c'est justement le coach qui a fait ce match nul-là, ici au stade de l'Amitié, je crois, en avril 2002. C'était 1-1 face au Sénégal. Les Sénégalais ont marqué le but par Moussa Ndiaye, qui était excédent, je crois, en ce moment-là. Et l'égalisation de Okitola Jonas, qui a permis au Bénin de se venir. Après, on a joué des matchs amicaux, on a joué des matchs également à élimination directe. Et bien, on a fait 6 matchs, 4 victoires pour le Sénégal. Et donc, vous savez très bien que c'était la même chose face au Mali. Et puis, il y a toujours un jour, les Maliens ont eu ça ici, c'était la même chose face au Ghana, il y a toujours un jour. Et c'est venu, même chose pour l'Algérie, je crois que le jour-là est également venu aujourd'hui. Les Béninois n'ont rien à perdre. Si vous jouez face à l'équipe championne en titre, la meilleure équipe de l'Afrique en ce moment, avec le meilleur joueur africain du moment, si vous faites battre par cette équipe, on n'a pas rugi. Mais nous, le Bénin a tout à gagner, tout simplement. Donc, il faut jouer sa partition, il faut jouer, concentrer, donner tout ce qu'on a dans le ventre et puis attendre le résultat. Allez, on va entrer dans le vif du sujet techniquement. Alors, ce soir, il faut dire que donc, le Sénégal va débuter sans Kalidou Koulibaly, son capitaine, sans Idrissa Ganagé, sans Nampalis Mendy en milieu de terrain et sans Tchékou Kouyaté. Voilà, il y a dans 3 jours, dans 72 heures exactement, donc le Sénégal qui prépare également à travers cette rencontre face au Bénin un match de prestige face au Brésil. Et donc on aura Seyni Dieng dans les buts avec des joueurs alignés tels que Ismaël Jacobs, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, donc l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Formose Mendy, Pape Gueye, Pate Siss, il y aura également Crépin Diata et Sadio Mané, le joueur du Bayern Munich, Ismaël Assar. La flèche du côté, voilà, c'est une équipe oui. compétitive. Ouais, ouais, et il a dit hier, l'entraîneur sénégalais, Aliou Cissé, il a dit, on va peut-être faire tourner, mais l'équipe qui va entrer sera compétitive. Comme quoi, c'est le genre d'équipe avec une profondeur de banc vraiment terrible. Ouais. Moi, je trouve c'est heureux d'avoir une équipe aussi compétitive en face de nous, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je crois que à chaque événement qui se présente un peu plus chaque jour, il faut travailler de façon à ce que je disais, relever le niveau. Vous avez en face une structure qui est peut-être la meilleure d'Afrique ou la deuxième meilleure d'Afrique, et je crois qu'il faut qu'on la considère avec tout le respect que cela suppose, mais il faut se respecter aussi. Hein. Et ce qui est heureux, au-delà des statistiques, où c'est vrai que le Sénégal a toujours eu l'avantage sur le Bénin, le ballon reste capricieux. Hein. On peut voir l'exemple français quand même, une équipe qui était considérée à une époque comme champion du monde des matchs amicaux et qui à partir de 90 s'est préparé et aujourd'hui est une équipe qui a affiché 2 coupes du monde à son palmarès et 2 fois vice-champion du monde. Donc c'est une question de travail, hein, de profondeur au niveau justement de cette formation et d'optique qu'on projette à travers les ambitions. Le sélectionneur Rohr est là pour le faire valoir et fait valoir le respect bien sûr, mais le ballon est capricieux. Hein, c'est une question d'opportunité, c'est pas la meilleure équipe qui gagne, c'est celle qui est la plus opportuniste, qui est la plus réaliste. Et on aspire ce soir, à travers l'effectif béninois, de faire une différence. Alors, coach, quel peut être le piège pour, on va dire, les Guépas, de voir une équipe, pas forcément la meilleure sur papier du Sénégal, démarrer? Est-ce que ça n'augure pas de ce que le Sénégal pourrait faire une meilleure deuxième partie qu'une première partie? Ceux qui aujourd'hui prennent le relais au niveau des permutations ont à cœur de montrer que vraiment ils sont capables, eux aussi ils ont leur place dans l'équipe. Et tout à l'heure, je pense que M. Fernando évoquait un paramètre très déterminant, la paix, l'environnement. Oui, la paix, ça fait partie des facteurs externes de la performance. Il y a des facteurs, s'il n'y avait pas la paix, on ne serait pas ici, moi et vous. Donc pratiquement, c'est clair. Ça fait partie des facteurs externes de la performance. Donc
à ce niveau, moi, je pense que, attention, ce n'est, il n'y a pas de hasard, parce que ceux-là ont franchi les étapes d'apprentissage. Les coachs des deux côtés ont posé des balises pour entraîner leurs joueurs dans un courant, c'est dans l'animation offensive, dans l'organisation défensive. Donc maintenant, en tenant compte du potentiel de leur équipe, du jeu de l'adversaire et du contexte du match. Le contexte du match, vous l'avez défini, pour les écoles, comme je reviens à votre question, c'est ça, ils savoir négocier cette rencontre comme si c'était la dernière bataille. Ça, hop, ce soir, je pense qu'on a 100 minutes, parce que quand on dit 90 minutes, moi je ne règle jamais mes joueurs sur... 90 minutes, il faut aller à 100 minutes. Côté béninois, très rapidement, on aura Satuné Alagbé dans les buts, Khaled Adenon, capitaine en défense avec Olivier Verdon. Rabiu Sankamao va jouer au niveau du poste de latéral gauche. Il y aura également Moumouni, Dodo, Rodrigue Kossi en milieu de terrain, Ola Itan Junior, Jodel Dossou, Tosin Ayegou et Steve Mounier en pointe, alors qu'on voit un peu voilà, le temps qu'il fait actuellement au niveau du stade. Voilà, 76% d'humidité, 28 degrés actuellement. Vous qui vous y connaissez, est-ce que c'est un bon temps pour un match à pression autant? Non, voilà, je pense que c'est une question de maxima, de minima. Quand pratiquement on est à mi-chemin, hein, maxima, je pense que c'est bon pour les joueurs, sinon ça impacte. Il y a des facteurs qui impactent la pollution, ça peut impacter la vitesse de jeu des joueurs, mais je pense que c'est clément, il ne fait pas trop chaud, donc pratiquement les acteurs vont pouvoir se retrouver. Et tout à l'heure, le match va se jouer à une heure où pratiquement le soleil s'est retiré. Et pratiquement, je pense que ces joueurs donc, doivent pouvoir bien s'exprimer sur une pelouse, quand même nickel. Et je pense que c'est bien pour le spectacle et pour les spectateurs. Une pelouse nickel avec des gradins jaunes, comme on le voit, hein, la couleur jaune qui domine dans les gradins. Un mot sur le 11 entrant, il y a Rabiu Sankamao qui va aller au charbon ce soir au niveau du poste de latéral gauche. Rodrigue Kossi qui signe son retour en tant qu'il est directement titularisé face à cette équipe du Sénégal. Ola Itan Junior qui a marqué le but du côté de Diam Nandio lors du match aller il y a un an. Tosin Ayegou qui a fait une saison pas mal quand même du côté de la Suisse. Et Steve Mounier également qui a marqué des buts ô combien importants, voilà, avec son club. Et derrière, voilà, naturellement, Khaled Adenon, Verdon, donc une paire qui est très habituée. Oui, je crois que, le coach a fait le choix d'une tactique, même si certains s'attendaient à les trois centraux pour pouvoir essayer de maintenir cette charnière offensive du Sénégal. Lorsque vous voyez le 11 de départ du Sénégal, c'est un 11 de départ qui est tourné vers l'avant. C'est beaucoup plus offensif. Vous avez quatre joueurs à vocation offensive et donc ça va aller vite. Il faut que les notes puissent pouvoir les contenir. Donc on a un milieu terrain. C'est vrai que, bon, est-ce que si ceux-là ne sont pas là, on a qui sur le banc pour pouvoir les remplacer? Je pense que, comme l'a dit le coach, il faut la solidarité. Il faut vraiment mouiller le maillot. Défensivement, il faut que nos joueurs soient top. Pour courir, ça c'est normal. C'est vrai que nous avons aimé le terrain un peu expérimental parce que Kossi revient, n'a pas encore joué avec ces deux milieux qui sont lui. Mais c'est un joueur très technique, très posé. Je crois qu'il va faire un match extraordinaire. Les autres doivent pouvoir les aider. Les attaquants. Kossi l'a déjà prouvé dans des. C'est un joueur. Face à l'Algérie, face à la Côte d'Ivoire. Oui. C'est un joueur qui, à mon avis, a toutes les qualités pour pouvoir s'imposer en milieu de terrain de l'équipe des Guépards. Vous avez Aïdon et vous avez également Dossou. Steve Mounier. Il faut que ces Dossou et Aïdon descendent rapidement pour pouvoir aider le milieu de terrain et pour empêcher justement les transmissions de balles entre Ismaël Assa et puis celui-là qui est le plus craint des Béninois, à savoir Sadio Mané qui est capitaine ce soir. Ce soir. Oui. Serge, votre mot sur le 11 entrant côté béninois. Ben moi, je me réjouis un petit peu du choix du sélectionneur parce que comme c'est souligné, il y a une dimension offensive qui est bien affermie. Et je crois que c'est déjà jeter les bases d'une vision, d'une projection qui veut aller de l'avant, qui veut ouvrir le jeu, qui veut offrir des opportunités, qui veut avoir de l'audace.
offensive pour essayer de percer le filet adverse. Maintenant, c'est vrai qu'en face, il y a un effectif très très lourd également. Il y a une charge un petit peu qui pourrait faire mal à ce niveau-là. Mais là, il faut être très très lucide, encore une fois, pour ne pas se perdre dans les contre-attaques, se perdre dans les mauvaises passes, les mauvais élans qui pourraient à terme donc jouer des tours. Mais pour moi, indépendamment du fait que Sénégal, bien sûr, est favori, le match reste ouvert. On parlait tout à l'heure du match de la dernière chance, c'est vrai, de la dernière bataille, le coach l'a bien souligné. Alors qu'on revoit un peu le contexte dans ce groupe L avec le Sénégal, 12 points déjà qualifiés, le Mozambique juste derrière. Il y a, je pense que ça c'est un classement qui n'est pas plutôt actualisé. Ouais, voilà. Il est très caduque. Il faut quand même appuyer sur l'actualité, voilà, actualisé, parce que parce que le Bénin a gagné à 4 points. Ouais, à 4 points, voilà. Monté à 4 points, ouais. Donc je vous laisse continuer votre... Oui, juste pour terminer, qu'effectivement donc, ça reste ouvert, hein, et l'adversaire bien sûr est favori, mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Hein, le football, c'est quelque chose de merveilleux parce que, comme on dit souvent au Brésil, à quel qui nous fasse, à quel élève, c'est-à-dire celui qui ne marque pas, c'est celui qui encaisse. Donc il faut se placer de telle mesure à marquer pour éviter donc de vivre des contretemps. Alors, la jeunesse que propose ce soir, c'est vrai que derrière, il y a de l'expérience à Tuné Alagbé, c'est voilà, un nombre important de sélections désormais, en défense également, ça va, mais au milieu de terrain, c'est de la jeunesse. Alors que côté Sénégal, il y a quand même si ce n'est pas l'équipe type forcément, c'est une équipe très expérimentée qui est alignée ce soir. Oui, face à l'expérience, il y a le talent. Parce que le problème qu'on pourrait redouter, mais je pense que dans le staff des écuries, il y a des gens pour faire ce travail, c'est que la peur de mal faire. C'est-à-dire que ces jeunes, souvent, ils sont sous la peur de mal faire, le désir de prouver qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Voilà autant de paramètres qui font que le mois venu, ça peut les inhiber. Mais après, quand le jeu commence, ils ont envie de se transcender. Et la présence du ministre des Sports, Valdo Mekki, aux côtés de El Hadji Diouf, c'est une belle image quand même. Hein. J'imagine qu'ils vont se chambrer tout au long du match. On sent les visages fermés pour l'instant. Avec un but, voilà. En tout cas, il faut compter sur Diouf pour vraiment taquiner un tout petit peu. C'est un chambreur. C'est un viveur, comme le dit d'autres. Non, je crois que non, on a rien à perdre. Il faut vraiment jouer clairement notre chance. Éviter de perdre surtout des balles en milieu de terrain, puisque ça va être fatal pour nous. Nous avons des joueurs sénégalais qui vont très vite. Donc, il faut faire usage utile des ballons que nous aurons à notre possession. Et je crois, pourquoi pas, on va créer la surprise. Voilà. Au match aller, on a eu une deuxième partie plus aboutie. Plus aboutie, oui. Le match a beaucoup plus été perdu en première partie. Et aujourd'hui, on sent que le Sénégal, c'est en deuxième partie. Peut-être qu'on aura une équipe type qui sera bien reconstitué avec l'entrée. On voit la poignée de main entre Guénot Rod et un joueur sénégalais. Alors, on va se rendre du côté du stade dans une poignée de secondes. Votre dernier mot. Voilà, de toutes les manières, attention. Quand Mané est là, la soirée bascule dans une autre dimension. Donc, il va falloir veiller sur ce monsieur, de par l'animation ou bien les blocs défensifs. De toutes les manières, les sélectionneurs ont pris toutes leurs dispositions. Il n'y a pas de hasard. Merci beaucoup à vous. On va marquer une petite pause publicitaire après. Direction le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour vivre les 45 premières minutes entre Lyon et Guépard. Et on se retrouve à la mi-temps pour le décryptage. Quand je regarde autour de moi, je ressens une immense fierté. La fierté de voir tous ces ouvrages sortis de terre pour le développement du pays, réalisés pour nos clients, que ce soit l'État, les entreprises, les usines et les particuliers. La fierté de la transformation urbaine dont nous sommes les acteurs, mes équipes et moi. Je suis Kodjo. Je travaille dans le BTP et ce, depuis 25 ans. Dans mon métier, notre référence, c'est la confiance que nous créons chez nos clients. Et cette confiance vient aussi et surtout de notre partenaire légendaire depuis nos débuts. La SIAB, présente sur le marché. La SIAB nous fournit des fers à béton de qualité certifiée, gage de notre longue collaboration. Leurs fers à béton sont produits localement, ce qui induit une disponibilité permanente auprès de tous les distributeurs sur toute l'étendue du territoire national. Et le marquage de leurs fers à béton permet sa reconnaissance facile. Nous vous recommandons vivement leurs produits. Avec la SIAB, construisons solide et durable. Teste le micro. Bang bang. Loco. Baby, let me see your smile for the photo. Loco.
Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Le décodeur est à seulement 1000 francs à partir de la formule Évasion. Une programmation sensationnelle avec le meilleur du sport, des séries et du divertissement pour toute la famille. Et tentez de gagner un des 37 abonnements de 1 an à tout Canal+ et de nombreux autres cadeaux. Offre valable du 25 mai au 30 juin 2023 pour tous les abonnés actifs et échus. Règlement disponible auprès de l'huissier de justice. Grande soirée football au stade général Mathieu Kérékou, Bénin-Sénégal, match de gala, on a envie de dire, mais non, c'est un match de compétition comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La CAN va se dérouler du 13 janvier au 11 février 2024. Les deux équipes sont en place, les Guépards du Bénin qui accueillent les Lions de la Teranga. Nous allons tout de suite, mesdames, messieurs, suivre les hymnes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc sur la télévision nationale pour ce grand moment de football que j'ai le plaisir de commenter en compagnie de Serge Lamaré Mangoué, directeur sportif du Porto de Cotonou. Serge, bonsoir. Bonsoir, bonsoir pour cette rencontre, pour ce rendez-vous qui est un très grand rendez-vous pour le football africain et spécifiquement pour le football béninois au vu de cet adversaire qui est de prestige, un adversaire respectable et qu'on se doit également d'honorer en ce sens. On va donc, coach, suivre l'hymne de nos hôtes, l'hymne sénégalais. Là, il joue à Séville. Et voilà, à l'instant, c'était l'hymne du Sénégal. Vous l'imaginez avec beaucoup de ferveur, l'aube nouvelle. Et voilà donc l'hymne national, l'aube nouvelle repris avec beaucoup de ferveur par le public qui a fait le déplacement du stade général Mathieu Kérékou. On découvre la compo d'équipe du coach béninois Guenotro qui nous a réservé la suite du chef avec deux latéraux qui évoluent dans le championnat. Rabiu Sankamao à gauche avec l'ASPAC et Mounou Rachid avec l'équipe d'Aïma. Oui, intéressant, surtout moi je me réfère surtout à Sankamao. Pourquoi ? Parce que je l'envoie en tant que latéral droit. Alors que c'est un gaucher, il évolue à ASPAC en tant que latéral gauche avec une projection offensive sur le flanc qui est intéressante, qui est percutante. Mais là, le sélectionneur a choisi de le placer sur la droite et j'espère que ce sera une opportunité également de faire valoir ses potentiels sur le flanc droit. Pendant qu'on découvre Jean-Jacques Ndala, l'arbitre du match assisté de ses compatriotes Kabene Boguele qui vont diriger ce match, on évoquait cette compo d'équipe avec Verdon et Adenon, des expérimentés dans l'axe, à la dans les buts devant. Ça ne change quasiment pas Tosin Mounier et Jodel Dossou. Mais au milieu, il y a Rodrigue Kossi, le joueur du club africain qui signe son retour dans la sélection et qui va faire officier au milieu de terrain aux côtés de Olaïtan Junior et Dodo Dekou qu'on a découvert tous lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
et on découvre la compo d'équipe du Sénégal. Là, une équipe du Sénégal remaniée par Aliou Cissé, avec dans les buts Seni Dieng, le joueur qui évolue du côté de Kipia, c'est en championship. Il n'est pas seul en championship, il y a Ismaël Assar également. Mais le reste, on retrouve des joueurs comme Paté Cissé, Crépin Diata du côté de Monaco qui retrouve du temps de jeu, Abou Diallo de Leipzig, Ablaï Sek et Sadio Mané qui est là. C'est la principale attraction de cette équipe du Sénégal. Il est bien là, le capitaine sénégalais. Il est là, donc c'est un petit peu l'étoile et la réflexion et la référence même du football sénégalais. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une équipe quand même assez costaud au niveau de ses différents éléments. Beaucoup de percussions sont dans différentes lignes. Et c'est sûr qu'avec un chef d'orchestre comme Mané, il y a matière à faire des équipes. On va voir l'animation de tout ça pendant qu'on nous montre justement le copte des supporters, le 12e Gaïdé qui a fait le déplacement du stade général Mathieu Kérékou. On le rappelle, hein, après ce match contre le Bénin, le Sénégal va jouer match de prestige. Le coup d'envoi qui est donné à l'instant par les Guépards du Bénin en jaune, le Sénégal en tout vert. Donc c'est facile de reconnaître les 22 acteurs, les Béninois qui, bien entendu, première perte de balle de Olaitan Junior derrière l'accélération avec cette passe, hein, sur le côté pour Sadio Mané. On sait que ce match, pour le début, il faut scruter de très près ce qui va se passer avec la remontée de terrain d'Ismaël Jacob, le joueur qui évolue du côté de Monaco. On sent que Paté Cissé qui repasse par sa base arrière. Les Sénégalais, on les sait très grands, on les sait très athlétiques, très techniques également, mais aussi ils ont un statut à défendre, champion d'Afrique. Et en face, une équipe du Bénin, relouqué, qui a bien travaillé toute la semaine et qui doit pouvoir gérer ce premier quart d'heure. Un match qui a commencé très vite, hein, les 15 premières secondes de part et d'autre, on a vu qu'il y a une accélération. Et là, on voit tout de suite, à travers cet accrochage de la défense béninoise, qui laisse entendre qu'on ne peut pas laisser le Sénégal jouer, on ne peut pas laisser le milieu de terrain faire un petit peu faire office de créativité. Mais c'est un match engagé, déjà, certainement. Ah ouais, c'est un match engagé avec cette position d'enjeu de Sadio Mané. On le voit sur cette action, c'est allé très vite. Sur ce coup de pied arrêté, Junior Olaitan, le joueur qui évolue du côté de Niort en Ligue 2 française, c'est vrai, retrogradé désormais à National, qui était allé au contact. On est en début de match, il faut vraiment faire très attention avec ce ballon écarté sur le côté pour Ismaël Jacob, qui va repasser par Abou Diallo, qui va s'appuyer sur Abdoulaye Sek, qui est sur le côté pour Formose Mendy, obligé de repasser par son gardien Seni Dieng. On a dit qu'il évolue du côté de la championship de QPR, King Park Rangers. Les Sénégalais qui, en ce début de match, mettent le pied sur le ballon, essayent de tourner certainement pour trouver le décalage. Trouver le décalage et puis mettre un petit peu son tempo, son rythme. Et ce ballon, ce grand ballon, déjà, il est déjà une amorce offensive qui laisse entendre qu'effectivement, on ne va pas jouer derrière, mais chercher des opportunités. Et la déviation de la tête, hein, de Mouine Rachid, le joueur de Aïman Football Club International Junior. On l'a dit, surclassé senior comme Rabiu Sankamo. Il est à sa troisième sélection, le joueur de Aïman. La récupération de Pape Gueye, l'ancien Marseille, qui va écarter pour Formose Mendy, les Sénégalais. Qui essaye de travailler dans le cœur du jeu, l'intervention du capitaine Adenon pour Olaitan. Verdon, le long dégagement dans le camp sénégalais. Et l'intervention de Seni Dieng qui va se dégager du pied. La tête de Rachid Moumouni. Pour Jodel Bossou, dessous, qui va repasser par. Rubric aussi, on l'a dit, lui, il revient dans la sélection. Ça joue très bien en ce début de match avec Juno Laitan qui est 4 pour Rabiu Sankamau. Dans les pieds de Tosia Egou, la défense sénégalaise est là. Et les Béninois sous le contrôle avec cette possibilité de percuter sur le côté. Ah oui, très bonne défense de Formose Mendy, le joueur qui évolue du côté des Amiens. Qui a très bien protégé son ballon, même si on nous montre ici en gros plan
Patessi, c'est bien Formos Mendy qui a bien protégé son ballon. Bien protégé son ballon sur une phase intéressante au niveau du Bénin qui essaie de trouver ses marques et n'a pas froid au jeu hein, en essayant de développer son jeu. C'est vrai que le ballon a été récupéré par le Sénégal, mais le Bénin est présent. Le Bénin est présent notamment dans les duels avec cette compacité de l'équipe. Hein, les lignes sont très rapprochées. On parlait donc de Rodrigue Cossi qui évolue du côté du club africain de Tunis qui a été longtemps blessé, qui revient en sélection. Le joueur qui est passé par le pays, par les buts du Borgo, champion du Bénin lors de la saison 2017-2018 et qui, bien entendu, retourne la sélection, lui, qui a vraiment marqué les esprits lors de ce match amical Bénin-Côte d'Ivoire. C'était au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée du côté de l'Égypte. Olivier Vernon, champion désormais avec Ludogorets dans le championnat bulgare, qui retrouve Khaled Adenon. Attention à cette perte de balle de Khaled Adenon. Ala Karima, il a joué avec le feu. Heureusement que l'arbitre Jean-Jacques Ndala a sifflé contre Ismaël Assa, qui n'est pas du tout de l'avis du juge congolais. Et on voit qu'il y avait une incompréhension avant la passe même, justement, où il y avait une communication un petit peu difficile à cerner entre les deux centraux, où l'un appelait l'autre pour qu'il puisse se rapprocher. Et on voit qu'en réception de ballon, il n'a pas su la négocier et il s'est mis tout de suite en danger. Donc il faut faire très attention à ce niveau-là pour être tout à fait lucide. À le danger, on pensait aux plus jeunes qui sont sur les côtés, mais là, ce sont les expérimentés qui ont manqué de communication, qui ont manqué de concentration. Attention, attention, on est juste en début de match, à peine 5 minutes de jouer. Le dégagement de Satouné Alagbé, la déviation de la tête de Steve Mounier, l'attaquant de pointe qui a décroché. C'est le buteur béninois, le joueur de Brest qui s'est maintenu en Ligue 1 française. D'ailleurs, c'est le seul joueur qui évolue au plus haut niveau sur ce 11 de départ des Guépards du Bénin. Mounier qui est une référence, on a vu sur les différents buts qui marquent chaque fois des moments très importants et un opportuniste qu'il faudra essayer de contaminer également ses camarades à ce moment-là. Benoît qui va essayer de contrôler avec Doudou Doku qui a manqué son contrôle. Attention à ce renversement de Sadio Mané, Ismaël Essa qui a été un peu court sur ce jaillissement. Il faut faire très très attention. On voit que le développement du jeu se fait souvent sur la gauche avec cette remise là dans l'axe où les deux défenseurs sont positionnés mais aucun ne fait un marquage précis sur l'attaquant. Donc il y a cette incertitude là qui permet à l'adversaire de bénéficier de ce ballon et de nous faire potentiellement mal. Satouné Alagbé qui va prendre tout son temps pour se dégager. Lui aussi qui est parti d'ici, notamment de son centre de formation Tanika Natitengu, en passant par l'ASPAC, le seul club qui l'a connu d'ailleurs ici au pays avant de se retrouver du côté de l'Hexagone. Société de Dijon FC. Attention également côté sénégalais à ne pas jouer avec le feu. Sankamao qui va remettre dans l'espace et l'anticipation de Abou Diallo qui s'est appuyé sur Seni Dieng. Et c'est Ablaye Seck qui va temporiser et repasser par son gardien. En tout cas, globalement, on a le sentiment que de part et d'autre, on a du mal à rentrer dans ce match, même si on a vu que le danger a été plus du côté sénégalais sur cette mésentente de l'axe du Bénin. Tout à fait, plus du côté sénégalais, hein, qui semble un peu mieux asseoir son football. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est présent. On le voit à travers cette intervention de Sankamao qui pousse un petit peu son excentré à remettre le ballon. Et donc et cette attaque au niveau de la tête pour repousser un petit peu l'attaque adverse. On est là, mais attention, parce que la bataille se fait notamment au milieu de terrain, oui. Il ne faudrait pas la perdre. Pape Gueye qui a écarté pour Ismaël Jacob, le centre, envoyé par la défense béninoise. Et ça donne le tout premier corner. On l'a vu, l'ancien Marseille qui évolue aujourd'hui du côté de Séville, où il a suivi son coach de l'Olympique de Marseille. Qui est déjà parti lancer sur le centre de l'Argentine. Et ça donne un tout premier corner pour le Sénégal. Il faut vraiment surveiller les joueurs grands de taille comme Ismaël Assa, mais également Diallo, le deuxième poteau. Attention, la belle sortie du gardien. Les tiens qui remettent dans le paquet à l'intervention du gardien qui a bien lu la trajectoire.
Et pendant ce temps, le comité national des supporters à fond derrière cette équipe. Bien sûr, à fond derrière cette équipe, parce que sur cette lancée, là, qui était très dangereuse, il a su intervenir. On a vu que tout à l'heure, déjà sur le premier ballon, il a bien dégagé. Donc c'est une marque de confiance qui est mise à travers le gardien. Les Bénois qui vont repartir avec Bodo Doku. Attention, le joueur qui évolue du côté de l'Égypte, hein, qui va obtenir la faute suite à ce duel avec Pate 6. Effectivement. C'est Pape Gay qui est revenu, l'ancien Marseillais, on en parlait. Il a ceinturé de tous les côtés. Hein. Donc, mais encore, il faut jouer vite là-dessus, hein, parce qu'il a un petit temps d'avance, il n'a pas su y profiter, et c'est là qu'il perd un petit peu l'avantage pour pouvoir évoluer. Voilà, étant Junior et Jodel Dossou sur le ballon, les deux joueurs qui évoluent du côté de la Ligue 2 française, c'est finalement Jodel Dossou. La balle est repoussée par la défense sénégalaise. Rodrigue Kossi qui a remis dans le paquet. Les Sénégalais qui peuvent chercher dans la profondeur sur le côté. Diata, mais Sankamao qui va bien anticiper et récupérer la remise en jeu. Le joueur de l'Association sportive du bois autonome de Cotonou, crédité d'une très très bonne Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Effectivement, il rend la maison Bénin des moins de 20 ans très fier, à tel point que Ror l'a sélectionné pour l'équipe A. Et puis donc, il sert bien un petit peu son poste, hein, ses objectifs, sa mission, ses tâches. Et j'espère qu'à tous les niveaux, cela se fera pour l'équipe nationale. Donc, Jaïsma de Rachid Moumouni, le relais avec Olaïtan. Ça joue en une touche côté béninois. Olaïtan qui va décaler pour Mounier, qui a cherché Jodel Dossou, mais sa balle est un peu trop appuyée. Jodel Dossou, lui également, qui n'a pas fait le bon mouvement. N'a pas fait le mouvement, il était un peu pressé, hein, là-dessus, donc il a fallu jouer vite, mais c'est dommage qu'il n'a pas eu de précision sur cette passe-là. Bon, quand on joue au sol au niveau du Bénin, on voit qu'il y a la précision, et là, c'est dommage qu'il n'y a pas eu cette compréhension pour pouvoir bénéficier de ce ballon offensif. Ismaël Jacob, qui a cherché Nicolas Jackson à la lutte avec Verdon, finalement Rachid Moumouni qui va mettre dans le paquet, deuxième chance pour Rachid Moumouni. Les Sénégalais qui ferment la porte et ça repasse par Dodo Doku. Verdon, le relais de Rodrigue Kossi. Dans l'espace pour Mounier, la remise pour Laïtan. La possibilité de frapper de loin. Il est contré par Boudialo. Ah, c'était une bonne inspiration de la part de Junior Laïtan qui a joué en première intention. Et ça donne le corner côté béninois. Ça fait désormais un corner partout. Effectivement, une frappe spontanée, hein, donc, et qui on réclame une faute de main. Mais comme je disais tout à l'heure, une frappe spontanée qui aurait pu faire mouche, c'était dévié. Mais chaque fois qu'on remarque que le jeu se joue tranquillement au sol, avec précision, sans chercher des longs ballons aériens, il y a une possession béninoise qui fait qu'on peut créer et le danger vis-à-vis de l'adversaire. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On a vu que le corner a été rapidement à jouer entre Dodo Doku et Jodel Dossou à la fin. C'est une sortie de balle. Et les Sénégalais vont repartir avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, il va revenir au Paris Saint-Germain puisqu'il a été prêté à Leipzig. Qui, bien évidemment, n'a pas levé l'option d'achat. Ismaël Assa qui va mettre dans l'espace pour Jackson. Le centre contré. Deuxième chance pour Ismaël Assa. Il est contré. Et les Bénins qui sont ressortis par Dodo Doku. Mais la balle est récupérée par les Sénégalais qui ont leur bloc équipe qui est haut. Formose Mendy. Abdoulaye Seck, le joueur de Maccabi Haïfa qui écarte pour Abou Diallo. Attention, là également, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Un manque de concentration. Il est plus porté sur une option qui pouvait se présenter que sur le ballon qui arrivait. Pape Gay, de son pied gauche, qui va chercher dans la profondeur. Sadio Mané, la déviation pour Jackson. Attention à cette situation, la reprise à pied gauche du Sénégal. Et derrière, les Bénois qui vont essayer de ressortir avec Olaïtan qui est poussé un peu dans le dos par Pate 6. Ah oui, Pate 6 et Junior Olaïtan, c'est un bail dans le match. Sankamao, le 1-2, qui ne fonctionne pas. Attention à cette paire de balles, l'anticipation derrière du capitaine. Mounier dans le rond central qui va décrocher pour Olivier Verdon qui va s'appuyer sur Rachid Moumouni qui se fait contrer. Sadio Mané, la remise pour Pape Gueye
et le dégagement de la défense. Le Bénin tout petit peu en difficulté. Heureusement que Dodo Dekou finalement s'appuie sur Satuna Lagbe. Il va falloir calmer tout ça. Calmer cette pression qui a commencé au niveau du flanc gauche. Sakamoro qui essaie de faire une 2 et qui a été récupéré finalement. On retombe dans une phase délicate, sensible. Mais il faut revenir à zéro, j'ai envie de dire, pour pouvoir calmer la pression qu'on était en train de subir. Khaled Adenon. Ladia, ça fait le troisième match qu'il joue contre le Sénégal. Il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations du côté de l'Égypte. Le match aller à Dakar où le Bénin a perdu 3-1. Et le match retour ce soir où après quasiment le premier quart d'heure, on est à 0 but partout. Je pense que le Bénin est en train de réussir son test sorti de ce premier quart d'heure un peu problématique. Et ça pourrait évidemment augurer une très bonne suite avec ce qu'on a vu jusque-là. Tout à fait, mais ce qu'il faut faire attention, ce sont les grands ballons que le Sénégal est en train de négocier vis-à-vis de ses attaquants, notamment Sadio Mané, et qui, à chaque fois, est problématique. Mais nous, au Bénin, quand on commence à mettre le ballon au sol, on essaie de la faire tourner, on joue avec précision et avec spontanéité, comme on a vu à travers la frappe de tout à l'heure, on peut créer le danger. Avec le pied gauche d'Ismaël Assar qui va s'appeler Supap Gueye. La balle est renvoyée par la défense béninoise, en l'occurrence Rachid Moumouni, Dodo Dokou, qui parvient à s'appuyer sur Verdon. Il joue avec son capitaine, à l'aide d'Adenon, Verdon, à l'abbé, le dégagement. La tête de Pathé Cissé et Rodrigue Tosi qui a cherché sur le côté Tosi Aigou. Depuis le début de cette partie, on n'a pas encore vu Tosi Aigou, le voici, le joueur du FC Zurich, qui évolue en position d'excentré gauche. Il est pour l'instant bien pris par Formos Mendy. Oui, il est bien pris, mais je crois qu'il va falloir qu'il travaille avec son Kamao pour faire des appels un peu plus en verticalité, plus profond. On sait qu'il est très habile à ce niveau-là. Vous parlez de verticalité, la combinaison Formos, le centre d'Ismaël Chakob. Attention à cette remise côté sénégalais. Vous parlez de verticalité sur cette action. On a vu que les Sénégalais en deux mouvements sont capables justement de trouver la verticalité dans leur jeu. Effectivement, effectivement. Et là encore un ballon qui recherche en cloche le flanc gauche. Mais on l'a voilà. Étant Junior qui franchement a pris de l'espace, la possibilité de mettre au point de pénalty pour Mounier, mais c'est directement dans les gants de Seni Dieng. Et le public a bien aimé la projection de l'ancien joueur d'Aïm. Effectivement, c'était intéressant, une belle occasion relativement franche, avec un appel de l'autre côté qui pouvait être mieux négocié que cela. Un manque de précision en dernière passe, c'est dommage. Mais ça aurait pu permettre de gagner un peu plus en confiance et mettre les joueurs un peu plus d'attaque sur ce temps négocié. On voit effectivement, il est un passage, effectivement, il aurait pu même tenter une frappe. C'est dommage qu'il n'a pas eu cette audace-là. Mais enfin, on va voir comment les choses ont volé progressivement en vue du jeu qui se déroule. Rachid Moumouni avec Jodel Dossou, bien pris de très près par Ismaël Jacob. Les Bénois avec Olaïtan, servi par Jodel Dossou. Rachid Moumouni, Olaïtan. Le centre d'Olaïtan dégagé par la tête d'Ablaï Sek. Et Radou Sankamao qui va obtenir la faute parce que clairement Ismaël Assar a. Le voici le joueur de Watford qui a commis la faute sur le joueur de l'ASPAC. Tout à fait, donc bien sifflé. Et on voit une première, une deuxième touche demain. Donc, c'est une vraie semelle, ça pouvait mériter le carton. Et effectivement, mais c'était pas assez accroché quand même pour pouvoir sanctionner déjà le joueur à ce niveau-là. Mais il faudrait faire attention à Sakamo qui n'en vienne pas trop en arrière au niveau de ses ballons. Le 1-2 entre Dodo Dokou et Jodel Dossou. Et la bonne défense de Ismaël Jacob, le joueur de l'Association sportive de Monaco, alors que justement on voit là le public qui est à fond derrière son équipe. Le Sénégal qui aujourd'hui s'est passé de Alfred Gomis, le joueur, le gardien de but qui était le titulaire avant l'arrivée de Edouard Mendy qui n'est pas appelé par son sélectionneur Aliou Cissé. Paix de balle de Jackson derrière Dokou. Dossou qui s'est appuyé sur Moumouni. Plutôt Laïtan, c'est Moumouni qui va centrer. Mais en temps, il y a le coup de sifflet de Jean-Jacques Ndala. Effectivement. Alors, votre appréciation sur le rôle tenu par ces deux latéraux, le voici, Rachid Moumouni, on a dit,
international junior il y a seulement quelques mois. Il était à la CAN du côté de l'Égypte. Dodo Doku également international junior. Et de l'autre côté, Rabiu Sankamao, ça fait trois juniors qui sont surclassés, qui sont dans le 11 de départ. C'est une vraie révolution de la part de Guernereux. Révolution, Guernereux l'a fait valoir, il recherche des jeunes, il veut rajeunir cette équipe, il veut inspirer un peu plus d'audace. Et ces trois garçons sont en train de s'affirmer avec un travail précis, un travail propre, et qui est encourageant à leur niveau. Sadio Mané qui va renverser sur le côté pour Ismaël Assar et son pied gauche. On sait qu'il est très dangereux quand il se met sur son pied gauche. Le jeu doit être la frappe tendue. La transversale qui supplée Satuné Alaoui. On parlait justement de la dangerosité de ce joueur. Mais là, ça, quand il a de l'espace, c'est quand il se met sur son pied gauche. C'est la deuxième fois que Sarr défait un petit peu son Kamao. Et là, ça aurait pu être faire très, très, très mal. Il faut faire attention au niveau de ce marquage et cette intervention à la sortie du dribble. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde. C'est lui quasiment qui a porté l'équipe du Sénégal lors de cette qualification pour les huitièmes de finale face au Qatar. C'était pas gagné d'avance. Il a sorti un gros match. On le sait, il fait partie des leaders techniques de cette formation des Lions du Sénégal. Ismaël Assar, il ne faut pas du tout lui laisser d'espace. Il le fait valoir avec cette dernière frappe qui vraiment était très 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 dangereuse. Et Dieu merci, n'a pas permis qu'on puisse souffrir d'un premier but. On va reparler de cette équipe, de cette action pardon, de la 20e minute parce que là, c'est une grosse frayeur. Côté béninois, c'est pas passé loin. Ça repart avec Abdoulaye Seck qui joue avec Formose Mendy. Le relais avec Napatessis qui a décroché. Abdoulaye Diallo. Pat Gay. Abdoulaye Seck. Les Sénégalais qui prennent franchement le temps pour construire leurs offensives avec beaucoup de dédoublements. De rotation du ballon. Mais Bina qui récupère avec justement Laitan Junior. Qui va s'appuyer sur Rodrigue aussi. Verdon. À l'aide d'Adenon qui a vu l'appel de Rabiu Sankamao sur le côté. Sankamao dans l'espace pour Tosi Ayegun. À cette fois-ci, ils sont trouvés. Tosi Ayegun la possibilité peut-être de frapper, mais s'appuie sur Laitan. Il va renverser sur le côté droit pour Jodel Dossou face à Ismaël Jacob. Les Binois avec ce centre en puissance de Rachid Moumouni qui retrouve de l'autre côté. Sankamao Rabiu qui remet dans le paquet et la tête de Pape Gueye. Les Binois sur le second ballon avec Jodel au point de pénalty. Centre, mais Abou Diallo est là dans les airs. Le relais des Sénégalais avec Jackson qui s'appuie sur Crépin Diata et finalement c'est une balle rendue aux Béninois. Une bonne séquence des Guépards qui ont fait preuve de beaucoup de maîtrise. Très belle séquence parce que comme cette maîtrise technique et cette évolution a laissé entendre, il y a eu trois centres qui ont pu être faits, donc des opportunités de but qui ont été créées à ce niveau-là. C'est intéressant et ça permet à l'équipe de gagner confiance. Surtout, il ne faut pas perdre le ballon parce qu'en le possédant, on gagne en aptitude à développer son propre jeu. Et c'est important que les joueurs puissent sentir un petit peu le cuir. Maintenant, il faut varier une approche offensive. On a vu trois centres consécutifs. Je crois que même en venant de l'axe, Tosi qui a ce premier ballon, il y a une possibilité peut-être de trouver moyen à finaliser dans la frappe directe, dans la frappe soit diagonale ou même axiale. Mais en tout cas, voilà. La pression mise par Sankamao sur le but de Seni Dieng. Heureusement que les Sénégalais finalement vont ressortir avec Ismaël Jacob. Ismaël Jacob, le joueur de l'AS Monaco. Ils sont deux, hein, joueurs de Monaco, Crépin Diata et Ismaël Jacob, là, qui sont là. Et on l'a répété, le Sénégal qui a un gros match, un match de gala cette fois-ci face au Brésil. Ce serait la deuxième confrontation entre les deux équipes. On va suivre ce ballon de Sadio Mané. Les Béninois récupèrent avec la charge de Pate 6 sur Junior Laitan. Ah oui, Patessis, le joueur du Rayo Vallecano du côté de l'Espagne, qui n'est pas allé de même ordre. Oui, il a marché carrément sur, il a marché carrément dessus, j'ai envie de dire. Et donc, il ne s'est pas arrêté au niveau de cette charge. Et,
et fatalement ça peut être douloureux. Mais tout à l'heure vous faisiez référence justement au pressing de San Kamao. On a vu de très loin elle est venue, hein, de latéral gauche, elle est venue presque dans l'axe, presque au-delà de la demi-lune pour pouvoir faire cette pression. C'est encourageant pour d'avoir ce souffle et d'essayer d'apporter un petit peu son vent à les défis béninois au niveau de la pression et qu'on essaie de faire sur le plan offensif. La chorégraphie des supporters du Conseil national, des supporters du Bénin. Stéphane Sessegnon, le capitaine emblématique de ces Guépards du Bénin, qui va certainement retrouver le terrain en seconde partie, très très concentré, pendant que Guénot Rohr passe quelques consignes à Olivier Verdon. C'est, on va dire, une bonne pause. Hein. Ce n'est pas la pause fraîcheur, mais c'est une pause créée par cette faute qui permet rapidement de remettre les batteries à plat. Tout à fait. Ça permet de prendre des informations ici et là, de se repositionner, de souffler un petit peu, de récupérer et de mieux repartir. Et c'est bien reparti avec ce duel entre Steve Mounier et la défense sénégalaise, en l'occurrence Abdou Diallo, qui est au sol. Oui, c'est bien lui. C'est un duel d'anciens, enfin de joueurs de la Ligue 1. Simonie à Brest, Abdou Diallo du côté du Paris Saint-Germain. Ah oui, ils se connaissent bien, oui, dans le championnat français, et puis ils ont des corpulences quand même. L'un est défenseur, l'autre attaquant, donc très souvent ils s'embrassent dans le bon sens du terme, footballistiquement parlant. Et puis, mais c'est heureux. On voit sur cette action effectivement que Mounier va chercher. C'est un choc qui n'est pas malveillant, mais qui laisse entendre qu'il y a un esprit combatif de part et d'autre. Et je crois qu'il faut, essayer de gagner les duels chaque fois que l'occasion se présente. Chaudel Dessous, société de Sochaux, lui qui est passé par Clermont Foot. Il est passé de la Ligue 2 à la Ligue 1 avec Clermont Foot avant d'être cédé par Clermont à Sochaux. Et qui est un cadre de cette sélection des Guépards pour l'instant, qui fait un très bon match. Il est très serré, très appliqué. L'ancien joueur des Requins de l'Atlantique. Ça repart avec Abdoulaye Seck, qui s'appuie sur Abdoulaye Diallo, qui a retrouvé son énergie. C'est Pape Gueye, hein, qui a décroché, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a suivi Jorge Sampaoli, l'ancien sélectionneur du Brésil, pardon, de l'Argentine, à la Coupe du Monde Russie, qui est déjà parti. Regardez, ça combine avec cette fois-ci ce décalage pour Sadio Mané. Mané qui attend du soutien. Mané qui va embarquer la défense sur le centre pied gauche, renvoyé par Verdon. Et derrière, c'est Rachid Moumouni qui dégage loin son camp. Et ça va directement dans les pieds de Séni Dieng et de Abdou Diallo. Dégager le danger, c'est très bien, mais pas n'importe comment, parce qu'on voit que ça revient immédiatement. Je crois qu'il fallait fixer un petit peu le regard devant pour voir qui était disponible, pour pouvoir garder le ballon et mieux le ressortir, pour le préserver. Pâté 6 qui est écarté pour Ismaël Assar, l'appel de Formose. Ismaïla qui va s'appuyer sur Formose Mendy, qui cherche Jackson. Jackson à la lutte avec la défense béninoise. Attention à Jackson qui essaie de slalomer. Heureusement que les Guépards parviennent à se dégager. Ce n'est pas fini. Abdou Diallo qui sonne la charge avec ce décalage pour Mané sur le côté. Mané qui cherche le deuxième poteau. Ismaïla Saïd, la belle sortie de Satine Alagbe pour couper la trajectoire du ballon. Effectivement, très belle intervention, hein. Et puis on a vu qu'on cherche les grands gabarits, on cherche ceux qui ont une taille pour pouvoir rabattre ce ballon de la tête. Chaque fois, ces projections qui se font de façon en planche, on voit encore feinte intérieure en pas extérieur pour Mané qui va chercher le deuxième poteau. Et ça monte très haut, ça monte au troisième étage, mais Dieu merci, le gardien intervient de façon positive pour écarter le danger. Au départ, hein, c'est Ismaël Jacob qui fait ce petit pont sur le défenseur béninois, le capitaine Jackson, le joueur de Villarreal, convoité par le Milan AC, qui, sur cette action, a clairement pris l'ascendant sur... Une occasion de but, une occasion très claire de but. C'est dommage qu'il perd un petit peu son équilibre, sinon il aurait pu enchaîner une frappe. Mais c'est vrai que là encore, il faut faire attention au niveau du marquage. On a vu tout à l'heure Sarr qui avait déboîté sur la droite pour venir la placer le ballon sur son pied gauche et frapper instantanément. Là, c'est un petit peu le même élan. Donc il faudra intervenir tout de suite en étant plus réactif lorsque les crochets se font. Le corner à suivre avec cette remise. La balle qui traîne à la soie de réparation. Heureusement, Dodo Doku qui va tenter le grand pont. Va-t-il y parvenir? Non, il y a Pâté 6 qui va obtenir la faute. Le joueur de Smouha en Égypte qui a tenté ce grand pont. Le voici, le numéro 19.
très ambitieux hein, comme démarche technique. Hein. Et puis on voit qu'il attrape par le cou finalement, qu'il exprime un certain désespoir. Mais c'est un geste tellement difficile, surtout quand on est en phase défensive, on essaie de sortir le danger. Je crois qu'on aurait peut-être gagné à la faire sortir proprement en s'appuyant de part et d'autre. Sadio, il s'appuie sur Abou Diallo. Abdoulaye Seck, le joueur de Maccabi Haïfa, il remet sur Abou Diallo et son pied gauche, le relais avec Pape Gueye, qui réussit son pont sur Dodo Doku, le relais de Mané cette fois-ci, qui est venu dans le cœur du jeu pour laisser de l'espace à Ismaël Jacob, qui a permuté avec son capitaine. Oui, une certaine inquiétude parce qu'on voit que la dimension du milieu de terrain du Sénégal gagne en amplitude et puis on va toujours chercher un petit peu sur le flanc gauche par la suite. Donc c'est inquiétant, il faut faire attention à ce niveau-là pour ne pas laisser l'espace à ce que les adversaires n'ont plus joué. Le Sénégalais en 1-2 avec cette possibilité de projection de Sadio Mané qui va obtenir certainement la faute à l'entrée de la salle de réparation. Et peut-être le carton contre Rachid Moumouni. À ça, il va falloir faire vraiment très très attention parce que depuis le coup d'envoi de cette partie, c'est la première fois que Pépé Ndiata ou le capitaine Sadio Mané sent-il. C'est Sadio qui a lancé dans la profondeur Pépé Ndiata. On va revoir tout ça. Oui, le ralenti va nous aider à mieux comprendre un petit peu le déroulement de cette action. On voit ici. On a lancé, c'est Sadio Mané qui était lancé en profondeur. Ouais. Et au niveau de la demi-lune, il a été arrêté. Hein, et c'est une faute très claire, très nette quand même. Il faut, puisqu'il lui prend le pied. Hein. Plus de peur que de mal, puisque les Guépas s'en sortent avec finalement peut-être une caution d'orge signalée au départ par l'assistant de Jean-Jacques Ndala, Olivier Kabéné, puisque c'est l'orge qui a été finalement exécuté. C'est ce qui avait été réclamé d'ailleurs par les joueurs. Hein. Ils demandaient au central de regarder le latéral afin de sanctionner ce hors-jeu. Les Sénégalais qui repartent avec Formose Mendy. Le renvoi des Béninois. Il se bat seul sur le front de l'attaque. Simounier. Et là, le temps qui s'écoule, le chronomètre qui tourne. Les minutes s'égrènent, on est déjà à 31 minutes de jeu. 31 minutes de jeu, ou bien on voit sur cette bataille là au niveau du cadre sénégalais, qui montre qu'on essaie quand même de faire un marquage relativement haut, mais encore une fois, c'est difficile de récupérer ce ballon au niveau des milieux de terrain sénégalais. Abdoulaye Seck, le joueur de Maccabi Haïfa, qui va jouer avec son compère de l'axe, Abdoulaye Diallo. Le relais avec Jackson. Sadio Mané qui décroche, Pape Gueye qui a vu l'appel de son capitaine. Voilà, sur ce coup, ça n'a pas fonctionné. On voit justement cette façon de jouer de Sadio Mané qui est un excentré gauche, mais qui est capable également de jouer à droite, de jouer dans l'axe et de décrocher comme il a commencé par le fait depuis un certain temps dans ce match. Et il réclame le ballon, il aurait voulu peut-être le jouer dans les pieds, jouer au sol, très souvent on le cherche en situation aérienne, ce qui n'est pas trop favorable au vu de sa corpulence peut-être. Abou Diallo. Abdoulaye Seck. Pas de Khalidou Koulibaly, Bruno le disait dans l'avant, mais la déviation de Jacob, attention. Ah, il a cherché la course d'Ismaël Assar. Faut être très très vigilant parce que on n'a pas besoin clairement d'une action très fournie pour passer de l'autre côté pour les Sénégalais. Rachid Moumouni qui va se dégager. Laïtan qui est pris par Abou Diallo, il obtient la faute, le joueur de Niort. Faute bienveillante, on en a besoin hein, parce qu'on commence à subir le jeu depuis un certain temps, depuis la 31e minute. On commence un petit peu à subir. On voit ici cette charge effectivement qui est justifiée en termes de faute, mais on subit un petit peu le jeu et le milieu de terrain sénégalais commence à gagner en amplitude. Et notre marquage est un petit peu trop imprécis à ce niveau-là. C'est pour ça que laisser cet espace de travail pourrait porter préjudice au Guépard. La relance pensée d'Ismaël Jacob
récupération derrière de Moun Rachid. Ah oui, c'est pas bien fait. Pâté 6 qui a cherché Jackson. Les Benoît qui récupèrent dans ce duel à mort. Dodo Doku et Rodrigue aussi sont mis à deux pour servir Jodel Dossou. Jodel qui va repasser par Kossi qui s'appuie sur Verdon. Verdon qui écarte pour Radu Sankamao. Attention à cette perte de balle. Le 1-2. Heureusement qu'il est bien revenu. Olivier Verdon. Radu Sankamao. Deuxième chance pour Sankamao qui va se dégager très loin. Les Sénégalais qui se mettent également à deux. Formose et Pâté 6 pour sortir ce ballon. Déjà 35 minutes de jeu. Bénin 0, Sénégal 0. Match pour l'instant qui n'a pas encore produit un vrai électrochoc en termes d'occasion côté béninois, puisque les Sénégalais ont vu le pied gauche, la patte gauche de Ismaël Assar aller s'écraser sur l'angle, sur l'équerre des buts de Satuné Alabé. Tout à fait, une action très très dangereuse, sans compter aussi cette dernière verticalité où Mané a été arrêté mais a été signalé comme hors-jeu. Donc c'est encore des situations qui laissent entendre que notre défense est un petit peu perméable en marquage pour éviter ces frappes, pour éviter justement ces dernières passes. On s'étend dans le public et on se donne à cœur joie. Il va falloir mieux, plutôt supporter que de jouer au coach dans les tribunes. C'est pas le rôle des supporters. Mais tous les supporters sont des coachs. Hein. Ah oui, mais c'est mieux de supporter parce que là, ils ne sont pas entendus par les joueurs qui sont dans leur match, qui jouent le champion d'Afrique, il faut le rappeler. Le Sénégal titré du côté du Cameroun il y a 2 ans. Sadio Mané qui parvient à obtenir un corner, semble-t-il, sur ce marquage de Jodel Dossou. Et oui, c'est ce qu'a décidé le juge central congolais, Jean-Jacques Ndala, qui estime qu'il y a bien un corner. Et ce sera le deuxième corner de la partie. 3 corners dans ce match. Un pour les Béninois, 2 pour les Sénégalais. Et c'est Crépin Diata et Sadio Mané qui se mettent sur le ballon pour essayer une petite combinaison, quelque chose de travailler à l'entraînement. Il faut reconnaître que Mané est bien tenu quand même. Hein. Il n'a pas fait trop d'éclat. On voit la dernière action sur cette longue passe en verticalité. On va essayer de la chercher, mais effectivement, c'est dévié en corner. Oui. Donc, il est bien tenu à ce niveau-là, mais il ne faut pas lui laisser de l'espace parce qu'entre ses transversales et ses accélérations, il est excessivement dangereux. Crépin Diata qui a renversé pour Formose. Bien pris par le joueur béninois. Il passe le centre en puissance. Et là, la tête qui passe à côté de la cage de Satuné Alagbe. Et regardez, c'est Abou Diallo qui est monté aux avant-postes. Effectivement, oui, le marquage encore qui s'est fait et qui laisse un espace pour traverser la défense béninoise. Il arrive à centrer. Fort heureusement, il est maladroit sur cette tête-là. Il n'arrive pas à l'ajuster. Mais on se laisse un petit peu déborder sur le dernier marquage. Et on se retrouve en situation très, très, très délicate. À débordement de Ismaël Assar qui a pris le dessus sur Dodo Doku et qui a réussi à centrer en force, mais ça reste toujours à 0-0 après 37 minutes de jeu. Sadio Mané, ah oui, c'était mal le carton qui sera sorti contre le capitaine béninois. Un duel de capitaine qui laisse le capitaine béninois avec un carton jaune. 2 cartons jaunes hein, contre le Bénin déjà. Il faut faire très attention de ne pas être expulsé. Et être vigilant parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu hésitant. On a perdu un petit peu de rythme, de tempo. On voit un petit peu où Mané intervient. Il va chercher ce ballon dans les airs, amorti, il enchaîne. Et notre arrière un petit peu statique. Il faut faire attention, faut épouser en même temps l'action lorsque l'adversaire se manifeste. Ça donne un excellent coup franc pour les Lions. Donc, je
justement, on a le pied gauche de Ismaël Jacob qui va se mettre sur le ballon. Abou Diallo est monté. Les deux Monégas sont sur le ballon. Hein, le 14 Ismaël Jacob et le 15 Crépin Diata. Diata, ah, c'est plutôt Ismaël Jacob qui met dans le paquet. Et la reprise à bout portant de Sadio Mané qui ne trouve pas le cadre. Mais qui se montre un peu plus présent chaque fois quand même. Hein. Sadio Mané. On le voit hein, sur cette balle justement aérienne. Je ne sais pas si c'est lui qui la prend ou si elle est dégagée par la tête par le défenseur. Sur cet angle, peut-être on a une meilleure lecture. Elle est dégagée par la tête, effectivement. Hein, pour, très belle défense de Khaled Adenon. Un match dans le match. Ah oui, Khaled Adenon, il va falloir justement rester dans ce même tempo, se battre jusqu'au bout parce que là, c'était une balle vicieuse. Ce ballon bien travaillé de Ismaël Jacob qui a cherché la surface de réparation. Ils sont très appliqués à ce niveau-là, hein, chercher en surface de réparation sur les ballons montants, sur les ballons en cuillère comme ça. Il faudrait vraiment faire attention sur ces dernières occasions. Sadio. La balle est récupérée par les Béninois avec Dodo Doku. Ça a pu sur Jodel Dossou, Olaïtan Junior. Et c'est une sortie de balle au profit des Guépards et Rachid Moumouni. Encore 5 minutes pour la fin de la première partie. Dodo Doku. À qui laisse le ballon sénégalais. Attention à cette percussion. Pape Gueye qui est écarté sur le côté. Les Sénégalais en position d'attaque. Qui vont obtenir un nouveau corner sur cette accélération de Crépin Diata sur le côté. Effectivement, accélération qui est tout bénéfice pour le Sénégal. On avait un ballon et puis on perd en dernière passe, en précision, sur un ballon de 15 mètres. C'est dommage parce que ça aurait pu déboucher sur une frappe diagonale qui aurait été excessivement dangereuse pour le gardien de but. Donc je crois qu'on perd en lucidité, hein, pour être synthétique, et on perd donc en impact. On n'a plus d'approche offensive depuis lors et on voit là encore une fois le Sénégal qui s'exprime sur ce corner. Le corner à venir de Ismaël Jacob, il y a un joueur béninois qui est au sol. Me semble-t-il, c'est... On n'a pas son numéro. Est-ce le milieu de terrain Rodrigo Cossi ou le début de l'action? On voit l'accélération de Crépin Diata. Et quel retour du défenseur et capitaine du Bénin qui est en train de faire un match monstrueux, notamment au niveau du marquage. Ah oui, c'est bien Rodrigo Cossi qui estime qu'il a reçu le coup de coude de Mané. Sadio Mané. Ah, ça, c'est de bonne guerre. On essaie de s'impressionner. Le pied gauche d'Ismaël Jacob. La sortie de Alagbe dans les airs. La reprise à bout portant derrière. Ah, la balle qui tourne à la sur de réparation. Et Radu Sankamau qui se dégage directement à la touche. Mais non, la récupération derrière des Sénégalais avec ce jeu dans un mouchoir de poche. Et attention. Et voilà l'ouverture du score dans ce cafouillage. Les Sénégalais qui ouvrent le score, semble-t-il, par... Jackson, c'est un peu confus tout ça. On va retenir notre souffle pour revenir. C'est vraiment dommage. Sur ce qui s'est passé. Ah, c'est bien le défenseur. C'est vraiment dommage. Ablaye Seck qui allait marquer. Regardez sur à ce ballon pied gauche de Ablaye Seck. Il a remis voilà, il y a en double temps, la remise de la tête qui bénéficie justement, elle arrive sur le pied de Seck. Et c'est dommage, mais c'est né d'un cafouillage quand même. Certainement, on s'engage au niveau du. Tout est parti de ce centre de Sadio Mané, la tête de Jackson et derrière le marquage entre Verdon et Ablaye Seck. Et c'est donc un défenseur qui permet à cette équipe sénégalaise d'ouvrir le score dans le Money Time de cette première partie. Cafouillage léger, mais cafouillage avec grosses conséquences. Et le voici, c'est le joueur de Maccabi Haïfa, le numéro 4, qui permet donc au Lion du Sénégal d'ouvrir le score.
à ça, on va dire que c'est mal payé pour le Bénin qui jusque-là quand même a réussi à contenir cette équipe du Sénégal. Mais jusqu'à la 42e minute quand même, on était à 0-0 et puis sur un cafouillage qui n'est pas bien, un ballon qui est mal dégagé, qui n'est pas bien négocié pour pouvoir écarter du vivement une fois pour toutes le danger, le ballon revient et sur ce débordement encore une fois, il y a 1, 2, 3 Sénégalais qui en flipper finissent par marquer ce but malheureux. On va suivre donc les derniers instants, les Guépards qui ont encore... deux minutes, c'est par là pour revenir à la marque. On les a vus en début de match assez entreprenant, créer des brèches dans la défense sénégalaise. Olaïtan, il va chercher la tête de Simounier. La remise dans l'espace et cette tête se déviée de Jodel Dossou. Ah, il va falloir chercher cette égalisation. Mais on sait que jusque-là, le Sénégal n'a encaissé que deux buts tout au long de ces éliminatoires. Le premier but, c'était face au Bénin lors de la première journée. Ensuite, lors de la troisième journée, ils ont encaissé un but face au Mozambique. Et depuis, ils ont battu le Rwanda 1-0. Ils ont battu le Mozambique sur le même score au match retour. Donc, ce qui leur donne, après quatre journées, 12 points. Et avec ce 1-0 pour l'instant, ils sont à 15 points, les Sénégalais. Et ouais. malgré qu'ils ont tourné l'effectif, on va dire, parce qu'il n'y a pas de Khalid Koulibaly, il n'y a pas de Idrissa Gana Gueye, ils sont sur le banc de touche. Liman qui est sur le banc de touche. Sadio Mané, attention, face à lui, Rachid Moumouni. Rachid Moumouni qui se bat très bien pour marquer le ballon d'or africain 2019. Et voilà la faute sifflée contre Rachid Moumouni. Beaucoup d'expérience dans cette conservation de balle qui pousse finalement l'adversaire à la faute. On voit ici, le conserve, rotation sur lui-même. Et puis dès qu'il est accroché, il n'hésite pas à se jeter pour accentuer la faute. Et ça permet encore une fois de récupérer, de gagner sur le temps. On est déjà dans les arrêts de jeu. Et c'est dommage qu'on termine cette première mi-temps sur un score qui nous handicape de cette façon. Pâté 6. Un autre coup franc. Satine Alagbe qui place son mur, qui demande vraiment donc de bien se positionner. Sadio Mané sur le ballon. Ismaël Jacob est là. Mais il y a aussi Pepe Ndiata. C'est un mur à deux. Il faut suivre le mouvement des défenseurs parce que c'est eux qui ont marqué. Et là, c'est pas passé loin. Le ballon qui n'est pas retombé au bon moment. Ah, ils sont vraiment très dangereux sur les coups de pied arrêtés, les Sénégalais, et surtout cet homme, Sadio Mané. Coup de pied arrêté, ballon aérien, et là je crois qu'il frappe le montant, hein, le ballon frappe le montant encore une fois, donc il ne passe pas très loin de cette lucarne-là. Et qui, en plus de ça, il y a des joueurs qui sont très athlétiques, très grands, qui peuvent également de l'autre côté récupérer ce ballon de la tête. Donc c'est un gros travail qui se fait sur ces ballons aériens. On est dans les arrêts de jeu. Et le Sénégal qui mène 1-0, le jaillissement de Pâté 6. Et c'est une remise en jeu pour Rabiou Sankamao. Qui a servi justement son Tosin Aïgoun. La balle est pour les Bénois avec Olaïtan, mais la faute sifflée par Ndala. Parce que le buteur pour l'instant, c'est cet homme. Il est allé avec beaucoup d'engagement sur ce ballon. Récupéré par les Bénois. Tosia est plutôt Olaïtan Junior qui repasse par Verdon, qui retrouve Moumouni sur le côté droit. Moumouni qui prend de l'espace. Moumouni. Et le ballon est récupéré derrière par Sadio Mané. Sadio, attention à la perte de balle qui peut profiter aux Béninois jusqu'au bout. Avec Simounier qui cherche d'appui à la défense. C'est repositionné. Moumouni Rachid, le centre en première intention, dégagé par les Sénégalais avec Jackson qui est devancé par Olivier Verdon et Khaled Adenon qui va s'appuyer sur son gardien Alagbe Satunay qui joue avec Olivier Verdon. Le relais avec Rodrigue Kossi qui va chercher la course de Jodel Dossou, mais ce sera directement dans les pieds de Seni Dieng. On joue déjà plus de 3 minutes, hein,
de temps additionnel dans cette première partie. Je pense que Jean-Jacques Ndala ne va pas hésiter à mettre fin à ses 45 premières minutes puisqu'il n'y a pas eu autant d'interruptions. Et voilà, donc c'est donc terminé avec cette première partie. Le Sénégal, grâce à Blaise Seck, le défenseur de Maccabi Haïfa, mène 1-0. Le but de la 43e minute qui permet donc aux champions d'Afrique de faire la course en avant dans ce match. Course en avant qui est méritée, somme toute, parce qu'on a vu que progressivement, le Sénégal a pu gagner le milieu de terrain. Ils ont insisté sur les ballons aériens en cherchant le flanc gauche, Mané, en cherchant également des verticalités où il y a des dangers qui ont été opérés. Par le flanc droit, on a vu que souvent, ça a quand même un petit peu débordé. Il y a le danger est venu à travers la frappe sur le montant, à travers une, deux têtes qui passent juste à côté. Et finalement, on dirait que c'est de la chance, mais c'est une chance forcée. Hein, une chance forcée puisque le ballon est mal dégagé, on sait mieux le négocier et sur 1, 2, 3 Sénégalais présents, on finit par pousser le ballon au fond du filet. Donc c'est un résultat somme toute mérité, mais pas désespérant. Pourquoi ? Parce que le ballon est capricieux, ce n'est qu'un zéro. Hein, en reprenant bien, comme on avait en première mi-temps, lorsqu'on faisait tourner le ballon, on arrivait quand même à créer des opportunités. Et donc je crois que c'est sur ce plan-là qu'il faut essayer d'évoluer. Et voilà donc le retour au Versailles. Nous allons vous laisser en compagnie bien sûr du plateau reporter et on se retrouve pour les 45 dernières minutes. A tout à l'heure donc. La pause au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou au bout de 45 minutes très animée, entrée poussive dans le match pour les Guépards du Bénin, passé tout près d'être puni par le pied gauche d'Ismaël Assar à la 19e minute qui a vu son ballon heurter la transversale. Les Guépards vont se réveiller sans vraiment inquiéter les Lions de la Teranga. Ismaël Assar, Sadio Mané ont donné du fil à retordre à la défense béninoise jusqu'à cette maudite 43e minute pour l'instant où la tête de Jackson a permis à Blaise Seck, le défenseur central de cette équipe du Sénégal, de dévier le ballon dans les filets de Satuna Lagwe, impuissant sur l'action. 1-0 pour les visiteurs. Edmé Kodjo, votre lecture de ces 45 premières minutes, comme je le disais, très animée. Oui, tout à fait très animée. Vous l'avez bien souligné. Alors, si vous permettez, on va revivre le film de de cette première partie. On vient de voir la frappe d'Ismaël Assar. Il y a eu également ce centre-là qui a été très dangereux de Sadio Mané hein, sur, on va dire, au deuxième poteau qui a failli créer d'énormes difficultés à la défense. Il y a ensuite ce ballon. On va continuer de voir les actions chaudes de cette première partie. Et cette tête d'Abdou Diallo, défenseur central, qui est monté. C'est vrai que c'est le genre de défenseur qu'on cherche, mais parfois c'est aussi signe que la défense sénégalaise a été beaucoup au repos pour qu'on voit Abdou Diallo dans ce volume de jeu-là. Il y a eu également ce sauvetage hein, de Khaled Adenon qui s'est arraché pour sortir le ballon de la tête. Ensuite, il y a eu plusieurs incursions sénégalaises comme celle-ci qui a été, celle de trop, si je peux le dire ainsi, la plus dangereuse qui finalement est allée, terminer but. Donc, ballon au fond des filets de Satuna Lagbé. Abdoulaye Seck, buteur pour l'instant. Oui, Abdoulaye buteur, mais avant, il y avait des signes qui pouvaient nous procurer un peu d'inquiétude. Parce que quand vous observez un match, des fois on vous dit 0-0, mais des fois il faut voir le nombre d'occasions, le nombre d'incursions, le nombre de joueurs que l'adversaire a eu. Comme le disait Raymond Tchaé, qui est un entraîneur formateur qui travaille du côté de l'Hexagone, on ne perd jamais, on apprend. On apprend parce que là, certains paramètres confirment ce qui se passe à l'élite. L'élite, quand vous perdez une balle, vous la payez cash. En dehors de payer cash, les dégagements contre des grandes équipes, c'est souvent fatal. Parce que quand vous dégagez, ils remettent tout de suite et ils renvoient. Parce que c'est des gens qui sont capables, des joueurs qui sont capables sur 30-35 mètres de mettre vraiment leur partenaire sur orbite. Et on a constaté tout à l'heure que des incursions, à un moment donné, donc, ça confirme aujourd'hui comment est-ce qu'on doit préparer les jeunes. Parce qu'on dit préparer les jeunes footballeurs aux exigences du football moderne. Le football, au-delà de la maîtrise technique, c'est devenu un truc pour les sprinteurs à répétition. Il faut porter l'assaut, défendre la citadelle. Dans ce mouvement où vous devez avoir une vitesse maximale aérobie élevée, sinon une puissance maximale aérobie, si vous n'êtes pas préparé physiquement, vous avez vu tout à l'heure, on ratait. Donc maintenant, je pense que Guénor a lu le match, il va s'impliquer à rétablir la confiance
rassurer, c'est-à-dire que leur demander de continuer par garder. On continue de voir, on va voir cette action d'Ismaël Assar qui nous a échappé lorsqu'on revivait les actions chaudes de cette partie, qui a eu le temps de préparer son tir et qui l'a armé, on va dire, franchement, parce que là, c'était la toute première mèche et la toute première occasion franche de ce match. Ismaël Assar qui a été particulièrement brillant dans cette première partie, pas moins que ou pas plus que Sadio Mané, qui a également été, voilà, qui a fait montre de tout son talent. Il a été très dangereux, sur son côté il a bouffé le latéral droit béninois. C'est normal, c'est un joueur qui a les ans techniques faciles, il passe facilement, on a vu dans le championnat français et puis après dans le championnat anglais. C'est un joueur qui est doué techniquement et qui a une force de frappe très lourde, et on l'a vu, il a été vraiment très à l'aise sur son côté. Alors, on va revenir à ce milieu de terrain expérimental, Serge Lamaré Mongue, on va vous laisser souffler un peu puisque vous étiez au commentaire. Donc, ce milieu de terrain expérimental aujourd'hui, c'est vrai, Rudy Kossi, voilà, il a un certain nombre de convocations, mais il y a à ses côtés, voilà, un coéquipier avec qui il fait sa première expérience, on va dire ça comme ça. Comment avez-vous trouvé le fonctionnement de ce milieu de terrain puisque ça a été très difficile? À l'entame, ils étaient plus à l'aise parce qu'en ce temps-là, je pense qu'il y avait des ressources physiques accompagnées. Ils gardaient les balles, ils circulaient, ce qui embêtait un peu les Sénégalais. Mais à partir du moment où on n'arrive plus à retrouver le partenaire dans les pieds, à partir du moment où on est en retard sur les courses, vraiment ça devenait plus compliqué. C'est pourquoi je parle tout à l'heure de rétablir la confiance. Cette confiance qui va libérer les balles, il faut les encourager, il faut les rassurer. C'est-à-dire que, en 100 et 90, 100 est devant 90. Cela ne veut pas dire qu'on va jeter les éponges. C'est-à-dire qu'on peut habilement continuer à l'entame de ce qu'on a fait les 15 premières minutes. On peut s'inspirer de ça, continuer à jouer ensemble, à monter ensemble, ainsi de suite. Et mieux, moi je pense qu'au niveau des situations SADA, à savoir les balles arrêtées, regardez avec quelle précision, avec quel verbe, les Sénégalais discutent des balles arrêtées. Donc, le moment venu, le deuxième corner, on a vu Crépin Diatta et Sadio Mané sur le ballon. Même le but, c'est l'action qui a au quotidien le but. Donc, quand vous ne pouvez pas marquer dans les combinaisons, dans l'animation offensive, un moment donné, c'est sur les balles arrêtées, il faut aller chercher. Parce que les quelques balles arrêtées qu'on en a eues, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est la panique, on les a un peu vendangées. On a eu une balle arrêtée dans l'As avec Jodel. Ouais. Je pense que, bon, il va falloir maintenant à la mi-temps les rassurer, les mettre en confiance pour dire, on n'est que ces messieurs, ils ont beau être Sénégalais, être champions, nous pourrons faire quelque chose, continuer, pas jouer, et entre vous, pas garder la balle, pas circuler, ainsi de suite, et je pense qu'on pourrait progresser ensemble, parce que quand on va perdre, on suppose que, mais quand on perd dans l'impasse, et que rapidement l'adversaire met son partenaire sur orbite, parce que depuis, il faut compter le nombre d'occasions de but, où vraiment Alagbe était chanceux. Je pense qu'il y avait les dieux aussi du stade qui étaient avec nous, parce que moi j'analyse un peu certaines situations. Heureusement que vraiment ce n'est pas au fond, sinon la note serait salée. Mais on peut y égard à ce qu'on a fourni les 20 premières minutes, à savoir garder la balle, circuler, parce que si on commence pas à se lâcher, si les déplacements ne sont pas coordonnés, s'il n'y a pas de déplacement coordonné entre les ballons et les joueurs qu'on garde, le moment venu, ça va peser lourd. Et c'est M. Démarre. Vous voyez, Démarre comme l'éclair. Rapidement, ils sont déjà dans notre camp. Et à force d'être... Ça va très vite. Hein. Ah, et on a vu que pour la plupart des ballons qui sont arrivés dans la surface de réparation, c'est des ballons aériens. On a l'impression que les Sénégalais misent beaucoup sur leur physique offensivement. On a vu tous les ballons de Sadio Mané pratiquement étaient mis en hauteur. Notamment, et tous les ballons d'Ismaël Assar également, notamment cette tête d'Abdou Diallo, presque dans une cage où, enfin, il avait non, quand même... Moi, je dirais plutôt que c'est comme la marque des grandes équipes, d'élite. Pourquoi? Au début, ils ont voulu poser la balle, mais ils ont vu qu'on était là, qu'on les attendait, et que nous aussi, on voulait poser la balle. Mais rapidement, ils changent, parce que les grandes équipes, ils peuvent changer une animation, en cours de... Un signe et ouais, d'un instant à l'autre. D'un instant à l'autre, il peut complètement changer l'animation de jeu. Et ça, c'est ça le vécu, c'est ça la chose des grands. Et ils ont compris qu'au début, ils avaient des difficultés à passer. On était sur eux, on marquait.
ainsi de suite. Et nous aussi, on arrivait à circuler. Et ils ont changé d'animation tout de suite. Ils ont commencé par envoyer des transversales. Encore que ces transversales étaient précises. Imaginez, Sadio Mané, depuis là, envoyé de l'autre côté. Ça rentre dans le compte des travaux récents. Conserver, apprendre à conserver, progresser, déséquilibrer, finir. Donc, quand Sadio Mané retrouve de l'autre côté, ça veut dire qu'il déséquilibre. Ça veut dire que le temps que le bloc d'équipe ou bien la chaîne à quatre aille de l'autre côté, ça laisse toujours des failles. Donc, pratiquement. Et la permutation aussi sur les côtés, puisque le centre qui occasionne le but, c'est Sadio Mané qui le fait. Sur Après, ouais. Tu as pris le côté de Ismaïla Sarr, on sent également une permutation, mais aussi une complémentarité entre ces deux joueurs. Je crois que le coach parlait tout à l'heure du milieu terrain de l'équipe nationale du Bénin qui est expérimental. Je crois que face à une équipe de la trempe du Sénégal, c'est quand même osé. C'est quand même osé. Vous avez Rodrigue Kossi qui n'a pas encore joué avec Ola Itan, qui n'a jamais joué avec le jeune Doku. Et donc les 15 premières minutes on a fait le jeu avec le Sénégal puisque la balle était si ça circulait, donc les Sénégalais se sont rendus compte que bon il faut commencer par envoyer les balles un peu les balles aériennes sur les côtés, écarter le jeu, et là ça devient plus compliqué pour nous. Je ne pense pas que ce soit osé. Il y a un jour on apprend, on avance. On fait des erreurs. Si vous ne faites pas des erreurs, vous n'allez pas. On sait que Rodrigue Kossi, par exemple, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact physique qui est. Voilà, techniquement, techniquement au point, mais j'ai l'impression que coach, c'est pas. Physique, attention, l'impact physique, dans quel vecteur, au niveau de quel vecteur. Parce que, attention, c'est que l'impact physique, la réaction, c'est d'abord lié à la retransmission. C'est que. Et sélectionner, analyser, traiter l'information. C'est là où on voit les Messi sur homme. Parce que eux, malgré quatre défenseurs, ils traitent l'information et ils voient déjà la solution qu'il faut. Ils passent, on dit, mais comment quatre défenseurs? Donc, si physiquement, il y a une débauche d'énergie qui ne colle pas à la vitesse, à la sélection, l'analyse et au traitement de l'information, et la réponse juste, là, vous allez dans le décor et c'est l'adversaire qui exploite. C'est là le problème de. Encore au niveau de la base, travailler pour que nécessairement le premier paramètre de la vitesse, ce n'est pas démarrer, c'est de pouvoir sélectionner, analyser et traiter l'information. Ceux qui traitent vite l'information et qui savent apporter la solution, eux, ils sont en avance, avant même la réaction. Ils sont dans l'anticipation souvent. Très bien, merci. Ils sont merci. Dans l'anticipation. On pourrait vous mettre peut-être à côté de... Oh. Je me sens plus à l'aise ici. Alors, coach Lamaré Mongwe, vous avez commenté ces 45 premières minutes. On a aussi vu un peu d'hésitation au niveau de la défense béninoise. Et William Bassabi l'a souligné. La première hésitation, la première frayeur plutôt venue de... Khaled Adenon, on a vu cette petite hésitation. Est-ce que vous pensez que il y a des flottements au niveau de la défense? Il y a eu des flottements à ce niveau en tout cas, et c'est sûr que lorsqu'on aborde un match et puis on a une incompréhension avec son partenaire direct et puis qui profite tout de suite à l'adversaire, ça crée une instabilité, ça crée une incertitude. Et on voit que cette certitude, elle a été plutôt créée du côté sénégalais. On a résumé tout à l'heure, ils ont eu 7 à 9 actions franches contre une et demie, si je peux dire, au niveau du Bénin. Donc ça nous pose problème à ce niveau-là. Et ce but est marqué par un défenseur, c'est-à-dire que cette poussée offensive a gagné beaucoup de confiance au niveau des joueurs sénégalais, à tel point que c'est un défenseur qui finit par marquer. Et on voit au niveau des chiffres, 57% de possession de ballon au niveau du Sénégal contre 42% au niveau du Bénin. Et ça souligne ce déséquilibre. Déséquilibre encore qu'on retrouve. Pourquoi? Parce que quand on a le ballon, on s'est mis un petit peu à le dégager. On a manqué de précision. Et là, encore une fois, cette perte de possession n'a pas permis qu'on puisse être impulsif et dangereux. Donc, autant d'éléments que j'espère qu'il sera corrigé au niveau de la mi-temps pour revenir avec une possession de ballon qui pourra mieux être. Est-ce que décrit Serge Lamaré Mongwe, ce sont nos dernières secondes avant de repartir au stade, montre peut-être que le Sénégal a beaucoup d'envie, malgré son statut de pays déjà qualifié, à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, voir des défenseurs monter autant. On a vu deux actions dangereuses, dont une qui a terminé au fond, des deux défenseurs de l'axe de la défense du Sénégal. Abdou Diallo sur la tête, qui n'a pas été cadré, et ensuite Abdoulaye Seck, qui lui a réussi à dévier sur une action. C'est pas un
c'était pas un coup de pied arrêté où on peut espérer que bon, c'est permis que la distance. C'est une action, ça montre qu'il y a de l'envie côté sénégalais. Ce n'est pas de l'envie, c'est un dépassement de fonction, une projection. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est fini l'époque où les libéraux sont derrière avec une chaise. Et on voit encore dans certaines grandes équipes, c'est des gens qui sont capables de se projeter, de créer le surnom. Et c'est ce surnom qui fait qu'à un moment donné, la défense panique, ils ne savent plus à quoi s'en tenir. Parce que de 4 ou bien 3 attaquants, ils voient subitement 5 personnes qui jaillissent, qui va prendre qui, ainsi de suite. Donc, on apprend, on va avancer. Il faut continuer par travailler au niveau des plus jeunes. Et je pense que demain, il fera beau sur la route. Il fera beau sur la route. Voilà, ça nous rappelle cette chanson du cours primaire. Demain, il fera beau sur les chemins. Allez, on va se rendre du côté du stade de l'Amitié Générale. Mathieu Kérékou pour vivre les 45 dernières minutes entre les Lions et les Guépards. 45 minutes très, très décisives. Donc, pour les Guépards, il faut tout refaire. Il faut revenir au score et pourquoi pas aller chercher cette équipe du Sénégal. Je vous laisse en compagnie de William Bassabi et Serge Lamaré-Mongwe pour la suite de cette rencontre. Et moi, je vous retrouve à la fin pour le décryptage final. Retour au stade général Mathieu Kérékou pour le second acte de ce Bénin-Sénégal. Les remplaçants béninois, on reconnaît justement les nouveaux venus, Mathieu Arlenvi, on reconnaît également Andreas Huntondji et bien sûr le copte des supporters sénégalais qui eux sont sereins parce que leur équipe mène 1-0. Coach Lamaré Mongwe, on est en train donc de repartir pour le second acte de ce match qui voit pour l'instant les Guépards et notre avançante, bien entendu, Steve Mounier mener 1-0. Ils ont encore donc la possibilité de revenir dans le match parce que, vous l'avez dit, il n'y a qu'un 0. Et c'est vrai, le Sénégal joue à son niveau. Le Sénégal a le statut qu'il a. Le Sénégal est connu avec ses joueurs de très haut niveau. Mais le Bénin, avec la production qu'on a vue, peut véritablement aller à l'abordage. Tout à fait, tout à fait. 1-0, c'est un score très, très fragile. Hein, très léger, et le Bénin joue toujours à domicile. On a vu que les 15-20 premières minutes, ils avaient une possession de ballon qui permettait à l'adversaire de douter. Hein, c'est pourquoi ils sont passés par des paramètres aériens. Mais tout est possible, hein, tout est possible. On voit, ça discute beaucoup hein, entre les joueurs Rodrigue Kossi, Tosi Aigou, qu'on a très peu vu le numéro 10, le joueur du FC Juru sur le côté. Beaucoup, a fait très peu de combinaison avec Sankamo Rabiou, tout le contraire de Rachid Moumouni et Jodel Dossou. Alors il va falloir trouver vraiment donc des mécanismes de complicité pour aller chercher cette équipe du Sénégal. Ce sont les derniers réglages, hein, parce qu'après ça va très vite, on n'a pas toujours le temps de discuter, mais effectivement il y a des corrections à faire. Au niveau de Tosi, je l'ai vu une ou deux fois maximum, c'est dommage parce qu'il a une potentielle technique et une vitesse d'exécution qui peut être mieux être négociée. Et Moumouni, lui, il a su mieux un petit peu opérer sur le flanc droit, c'est vrai, mais c'est dommage parce que sa toute dernière action, il n'a pas su faire le bon choix. Donc c'est un peu faire le bon choix avec précision, garder le ballon pour créer une confiance et engager un football qui soit un peu plus décisif. Jean-Jacques Ndala qui conçut son chronomètre, le retour de Sadio Mané, en tout cas le joueur du football club Bayern de Munich qui est en train vraiment d'assurer son rôle de leader, de maître à jeu de cette formation du Sénégal, puisque c'est donc parti pour le compte de la deuxième mi-temps de ce Bénin-Sénégal. Si vous venez de nous rejoindre, voici le score, c'est 1-0, le but enfin de première partie du défenseur Ablaye Seck permet au Lion de la Teranga de mener 1-0. Le Bénin a encore 45 minutes pour aller chercher le point du match. Et pourquoi pas la victoire, se mettre dans la lignée de ces matchs qui, disons, dans l'imaginaire populaire, ont fait vibrer le public béninois. C'était ce soir d'octobre 2009, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Afrique du Sud 2010 et la CAN Angola, où le Bénin battait la grande équipe des Black Stars du Ghana avec Makel Issien comme maître à jouer, 1-0. On se souvient également de ce 1-0 face à l'Algérie. C'était un soir du mercredi 18 octobre 2018 où le Bénin a réussi ce but qui a marqué, ce but qui a permis de se relancer à la qualification à la CAN. D'ailleurs, une CAN où et l'Algérie et le Bénin ont brillé, l'Algérie championne d'Afrique. Et le Bénin qui a fini quart de finaliste
Donc on espère, coach Lamaré Mongwe, que cette seconde partie permettra aux Béninois de se souvenir de ces bons moments et de faire rêver le public et le peuple. C'est permis de rêver effectivement parce qu'on veut tous vibrer. Le match de la seconde mi-temps vient de commencer, on a une possession de balle qui est déjà béninoise. Et encore une fois, il faut gagner ses duels, il faut être précis dans son marquage, dans ses passes et ses finitions. Et donc tout est permis, hein. C'est ce que la beauté du football, du ballon rond. Parce que jusqu'au dernier coup de sifflet final, on ne peut capituler. Le retour avec quasiment les mêmes 11 de part et d'autre, il n'y a pas eu de changement. C'est normal côté sénégalais, pour l'instant on ne change pas les dispositifs qui gagnent. Mais on est certain que dans le cours de ce match, les joueurs qui vont également intégrer l'équipe pour le match de gala face au Brésil, c'est du côté du Maroc, et bien du Portugal. Voilà, donc ils vont faire un peu tourner avec ce décalage pour Moumouni. Rodrigue Kossi qui a servi Rachid qui se projette sur son côté. Rachid Moumouni qui parvient à centrer. Même si c'est dans le décor, c'était bien tenté de la part de l'arrière droit d'Aïma. Bien tenté, beaucoup d'efforts, beaucoup d'audace. Et il est parti, il a poussé un petit peu son adversaire direct jusqu'à ses retranchements. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut insister pour qu'on puisse trouver un écart, une faille puisse être observée et pouvoir s'y engouffrer. Abdou Diallo qui s'est appuyé sur Ismaël Jacob, les remplaçants béninois qui sont à l'échauffement. On aperçoit Stéphane Sessegnon que le public attend. Parce qu'on l'a vu, il a fait une semaine assez intéressante, de joueur qui est presque quarantenaire et qui est là. Et qui, depuis son retour lors de la double confrontation face au Rwanda, a apporté son vécu, sa classe à ce groupe. Formos Mendy, à qui se projette lui aussi. Le relais avec Crépin Diatta. La faute sur Crépin Diatta. Ah oui. Mais il ne faut pas se déconcentrer, hein. C'est avec une rotation, on prend son bras droit et donc fatalement le déséquilibre à ce niveau-là, l'arbitre ne peut que siffler, mais il ne faut pas se déconcentrer, il faut rester tout alerte et éviter de perdre le temps à ce niveau-là. Ça donne un coup de fond pour Crépin Diatta qui a été, disons, la grosse révélation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans disputée en 2017 du côté de la Zambie. C'était le leader de cette génération sénégalaise qui était en finale. Ils l'ont gagné en 2023 du côté de l'Égypte, mais ils étaient en finale en 2017 et l'un d'eux s'appelait Crépin Diatta qui est sous le ballon. Coup franc donc pour les Sénégalais, et Diatta qui met dans le paquet et la tête à bout portant qui passe au-dessus des buts de Satuna Alagbe. Et c'est qui le buteur à Blois, c'est qui se retrouve dans cette position. Oui, position très offensive d'un défenseur central et qui encore une fois a bénéficié d'un ballon où la défense arrive en retard, n'est même pas en opposition, c'est un petit peu dommage pour nous. Mais il va falloir être très lucide parce que 1-0 c'est peu, mais ça peut venir beaucoup si jamais la marque est alourdie. Et le public aussi a besoin d'accompagner l'équipe parce qu'on a le sentiment qu'on a plus affaire à des spectateurs. C'est calme, il faut beaucoup d'ambiance portée à bout dans cette équipe parce qu'on a parlé de ces matchs d'anthologie face au Ghana en 2009, face à l'Algérie en 2018. C'était bien sûr avec un public très chaud qui était connecté à son équipe du début jusqu'à la fin. On voit la projection de Chaudel dessous par la défense sénégalaise. Oui, parce qu'il a essayé de forcer le verrou et c'est très très bon augure à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut jouer sans peur et sans reproche. Et là encore une fois, on a le ballon et on va voir s'il peut être bien négocié. La remise de Simonier pour Chaudel dessous qui percute jusqu'au bout. On l'a étant qui s'est vu fermer la porte par les solides défenseurs sénégalais. Attention, ce duel là entre Jackson et Rodrigue Kossi, c'est vraiment un match dans le match. Sans Kamao, belle remise pour son capitaine. Moumouni Rachid sur le côté. Il prend son temps. Il s'appuie sur Rodrigue Kossi qui trouve Simonier qui renvoie le ballon dans les pieds de Rodrigue Kossi. Il a vu la paix sur le côté de Jodel Dossou à la lutte avec Ismaël Jacob. Il passe Dossou le centre au point de pénalty peut-être. À la défense sénégalaise avec Formos Mendy qui ferme la porte. Mais c'était une très belle situation pour les Guépards. À deux reprises ferme la porte. On voit que c'est quasiment la même action, en tout cas sur un plan offensif. Et qui laisse entendre qu'il y a de l'audace, il y a de l'engagement qui est effectué. Il y a un très beau centre. C'est dommage qu'on est un petit peu en retard. Mais le corner peut permettre de bénéficier de cette action. Corner à venir pour les Guépards. Le premier poteau, la déviation qui
va se retrouver dans les pieds de Dodo Doku, qui joue avec Sankamaou Rabou. Les deux juniors qui combinent, à ça joue bien. Sankamaou le centre au point de pénalty, à la tête des croisés, directement capté par Seni Mendy. Mais là, c'était bien joué une fois encore du côté des Guépards. Très bien. Le jeu sur les côtés qui recouvrent d'animation. Tout à fait, très bien, parce que rares sont les fois où on peut trouver une situation aussi offensive. Là, un très beau centre décroisé d'une tête, de débordement initial. Donc ce sont des actions qui vont porter et qui veulent porter. Et puis en première mi-temps, on n'a pas eu un petit peu cette envergure et cette audace. Donc on est bien parti. Jodel Dossou qui a changé de côté face à Formose Mendy. Gagne son duel, la possibilité pour Jodel de frapper, mais l'écart pour son partenaire. Et la défense sénégalaise avec Pape Gueye qui a surgi. Il a hésité à frapper. Hein. Il a une seconde de trop, il ne savait pas. Il a hésité un petit peu à frapper. C'est dommage qu'il ne prenne pas sa chance à ce niveau-là. Parce que le gardien peut renvoyer, le montant peut renvoyer. Et une embuscade peut survenir juste après. C'est dommage. Il faut prendre l'action comme elle vient avec spontanéité. Attention à cette ouverture. Ismaël Jacob la remise et voilà le corner concédé par les Guépards sur cette action. Donc on aperçoit Khalid Koulibaly sur le banc de touche. C'est Jackson qui était face à Khaled Adenon, la remise pour Ismaël Jacob. Heureusement qu'elle a été déviée parce que cette pénétration a été très dangereuse sur son bon pied, sur son pied gauche. Le centre de Jacob, attention à cette tête de croisée qui finit dans les pieds de Ismaïl Assar. Il va repasser par Formose Mendy qui se projette. Formose, oui, très belle défense derrière de Sankamaou. Et la bite qui ne bronche pas, ça donne un avantage au départ du Bénin. Une pénétration encore une fois, mais Sankamaou se passe, mais il est accroché. Ça mérite une faute hein, pour le Bénin, parce qu'on voit qu'il est accroché, ce que ne signale pas l'arbitre. Renversement de jeu pour Sylvain Mounier qui va tendre du soutien. Le joueur de Brest qui va s'appeler sur Rodrigue Kossi, le 1-2 avec Dodo Doku, le pied gauche et peut-être l'enchaînement sur cette action. Mais les Sénégalais avec Abou Diallo sont rapidement ressortis. Jackson qui a pris le meilleur sur Khaled Adenon. Attention, il va vite le joueur de Villarreal. Il a vu l'appel sur le côté de Sadio Mané. La frappe croisée de Mané. Et quel bel arrêt derrière de Satulé Alagoué. Ça va vite d'un camp à l'autre. Ça va très vite. Il faut surtout souligner que les contre-attaques, on l'a vu par 2-3 fois, sénégalais sont très dangereux. Donc il faut faire attention quand on s'avance pour ne pas se découvrir, en tout cas avoir un marquage très serré lorsque le ballon ressort de l'axe sénégalais. Sankamaou qui joue avec Olaitan Junior. La superbe déviation. C'était très bien joué dans l'intention par Rodi Kossi. Malheureusement, derrière, il n'y a pas eu l'enchaînement qu'il faut, mais c'était une superbe déviation et en première intention. Très beau jeu technique, ouais, beaucoup de spontanéité. Je crois que l'avancement n'y a pas trop cru ou le ballon était trop loin pour pouvoir le négocier. Mais en tout cas, une fois, une projection offensive qui vaut la peine toujours d'être négociée. Le Bénin, toujours dans le combat pour la conquête du ballon, même si Pape Gueye récupère, il s'appuie sur son gagnant, Seni Dieng. Joue un championship, hein, tout comme Ismaïl Assar. Le buteur, Ablaye Seck, pour l'instant, dans cette confrontation. Petit à petit, en train de s'installer dans cette défense sénégalaise. Abou Diallo était le préposé avec sa saison difficile. C'est Koulibaly, attention. Ah oui, Ismaïl Assar qui a voulu justement donc induire Sankamaou. À la faute, regardez, il s'accroche, qui retient le joueur et puis... Il s'accroche souvent, hein. L'un accroche l'autre le récupère l'autre, ouais. Il s'accroche souvent, il y a... C'est du rugby, je ne sais pas qui fait la déclaration à l'autre. Mais c'est un combat assez pointu entre Et comment deux. Vous trouvez la réaction de Sankamaou? Et je rappelle que c'est votre poulet sur cette action qui s'est battu. Parce qu'il faut ramener le résultat quand même à égalisation. Il ne peut plus faire office de légèreté, laisser passer, offrir un écart pour que l'adversaire puisse frapper. Non, la bataille doit être à 110% et c'est très bienvenu pour ce jeune Rabiot Sankamaou.
Déjà 10 minutes, 11 minutes de jeu pour le compte de cette seconde partie. Et Guénotor qui motive ses joueurs. Rodrigue aussi. Jodel dessous. Et Ismaël Sa qui va se relever. Je pense que c'est plus pour jouer à l'intox et grignoter quelques. Intox, exactement. Suite, casser le rythme des Béninois. Parce qu'on a vu que les départs sont vraiment incisifs depuis la reprise. C'est ce que je pensais, William, justement, parce que des temps morts comme ça cassent le rythme, ouais. Cassent le tempo et c'est défavorable à la sélection béninoise. Donc il faut rester concentré. On voit un petit peu l'action où on verticalité en une touche. Sadio, je ne sais pas s'il cherche un centre, mais il aurait pu carrément, franchement, frapper, hein, ce qui aurait pu être dangereux encore une fois. Ah, sur cette action, on voit la pousse de Jackson, je disais, joueur pisté par le Milan AC, sous la direction de Paolo Maldini, qui était le directeur sportif, comme vous d'ailleurs, mais qui s'est séparé avec la direction américaine de Jerry Cardinal. Donc, je ne sais pas s'il restera dans les petits papiers du Milan AC. Il a fait une saison correcte avec une quinzaine de buts marqués avec Villarreal. Et aujourd'hui, à ce poste, le Sénégal a des joueurs comme Boulaye Dia qui joue du côté de Salah, notamment, qui a fait une très belle saison. Abid Diallo aussi, ils sont sur le banc de touche. Attention, il y a du monde derrière. Jackson toujours dans la percussion. Il est écarté sur le côté pour Sadio Mané. La défense de Noir qui se replace. Le dédoublement avec ce ballon au point de pénalty. Et derrière, le dégagement de Rodrigue aussi. Belle remise pour Laitan qui lui aussi a le temps de se projeter. Il retouche Jodel Dossou sur le côté gauche. Dossou face à Formose Mendy. La frappe de Dossou. Contrée. Mounier. La petite déviation. Mais derrière, Paté 6 qui se dégage. Et l'interception de Rachid Moumouni qui va remonter sur le côté. Là, le sang tendu directement à Saint-Zélan. Il a réussi. Junior Laitan à centrer en puissance. Décrochage et trop sur le gardien. Yegu, ouais. Qui a changé de côté. Jodel est venu à gauche. Ils ont permuté. À droite. Ils ont permuté. Voilà. Ils ont permuté. Mais il y a trois actions qui sont enchaînées tout de suite. Là, c'est le décalage au niveau de la défense qui est récupéré. Et un ballon qui n'est pas perdu. Et la frappe de Dossou qui a hésité tout à l'heure, qui là aurait pu faire mouche. Donc c'est un petit peu cette approche directe, hein, spontanée qu'il faut souligner. Pape Gay. Il joue avec Formose Mendy. Cossette, le buteur. Presque le même d'Aparis. Les Sénégalais. Céline, bien qui s'est appuyé sur Abdou Diallo. Sadio Mané qui est servi. Attention à Sadio Mané qui se débarrasse de trois joueurs béninois et met dans la course ce ballon pour Jackson et l'anticipation de Satine Alagué. Sur cette séquence, on a vu toute la classe de Sadio Mané. Ouais, on a un seul contrôle retiré. Il a éliminé trois joueurs, chemin de direction. Attention, là, côté béninois avec cette possibilité pour Olaitan de frapper à bout portant. Ça passe pas loin. Quelle action d'Olaitan. C'est lui qui avait réduit le score au match aller. Le voici une fois encore. Il bénéficie. Qui met dans le vent sec. Effectivement, et il frappe en croisé qui sort un petit peu, alors que c'est réclamé au niveau du pénalty, du point de pénalty par son collègue. Mais il a trouvé une chance, il a essayé, ça aurait pu marcher, surtout que c'était un petit peu touché, ça a été contré. Donc cette déviation aurait pu être favorable, on voit, mais cette chance n'a pas été forcée. Premier frisson côté béninois en ce début de seconde partie, on est à l'heure de jeu. C'est le premier quart d'heure. Le Bénin qui quasiment a mieux fait en 15 minutes que lors des 45 précédentes. Un Bénin qui existe en temps réel et qui se crée des opportunités. Mais encore une fois, voilà. Doku qui s'est jeté pour récupérer le renvoi de la défense sénégalaise. Doku. La faute qui est sifflée contre Santil Junior Laitan. Il faut y croire, vous l'avez dit, il n'y a qu'un petit but d'écart. Il reste encore 30 minutes à jouer. Le voici, Dodo Doku. Vous avez bien souligné tout à l'heure que c'est battu pour récupérer ce bâton. C'est cette image, à cette image qu'il faut entretenir cette volonté de bien faire et de se dépasser. Abdou Diallo qui prend son temps. Il joue avec Pape Gueye qui a vu l'appel de Sadio Mané. Regardez cette renversale de 40 mètres qui finit dans les pieds de Sadio Mané.
face à Rachid Moumouni, le centre pour Jackson qui tente d'enchaîner Sadio. Et ça va sortir de l'autre côté à Sadio Mané qui doit être déjà à 4 ou 5 buts dans ses éliminatoires. Doublé contre le Bénin à l'aller. Toujours très dangereux. Encore une fois, le ballon termine dans les pieds de Sadio Mané après une transversale. Donc on cherche souvent Sadio Mané à ce niveau-là. Mais il faudra faire très attention, surtout lorsqu'on se dégage un petit peu. On s'engage sur un plan offensif et on laisse un petit peu ouvert le flanc du Béninois. On voit justement cette charge hein, sur Crépin Diatta. On a dit joueur très dangereux qui a été ralenti par une grosse blessure parce qu'il était une grosse signature quand il a quitté le FC Bruges pour venir du côté de l'AS Monaco. Il a été déclassé dans la hiérarchie de cette équipe sénégalaise. C'est lui qui assurait le rôle de meneur de jeu. Et depuis sa blessure, il n'était pas à la CAN, remporté par son pays. Il est revenu timidement avec la Coupe du Monde. Petit à petit, il est en train de retrouver son meilleur niveau. Joueur très dangereux. A dit il est avec Patson Dakar qui s'est promené face à la Côte d'Ivoire 3-0 mais une éliminatoire des joueurs qui ont marqué la CAN de leur catégorie en 2017 et qui a toujours la confiance de son sélectionneur, c'est le plus important puisqu'il est là. C'est rapidement joué, les Binois qui se dégagent, mais la balle est rendue à Formose Mendy qui est venu suppléer sa défense centrale. Crépin Diatta, le voici. Belle transversale pour Ismaël Assar, l'approchage du Fonco. Ismaël Assar et Rabiu Sankamau, c'est devenu le match dans le match dans cette seconde partie. Les deux joueurs ne se quittent plus. Ne se quittent plus, c'est très physique. Encore une fois, l'arbitre de touche qui signale une faute. Mais je crois qu'au démarrage, comme ça, il faut empêcher que l'adversaire puisse prendre de la vitesse d'exécution. On l'a vu en première mi-temps que Sankamau avait eu des difficultés. Mais là, il l'arrête. Et il vaut mieux un petit peu freiner cet élan que souffrir un sang qui pourrait être dangereux. Satuné à l'arbre qui va placer sa défense. Et Pendiata qui prend l'information. Lui qui, bien entendu, fait partie de ces joueurs sénégalais comme Ibrahim Niang, lui aussi ralenti par une blessure aujourd'hui du côté de la Ligue 1, mais qui est passé par Metz. Malheureusement, ils ont oublié à cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le Sénégal disait qu'ils étaient en finale, ils ont gagné, disons, 6 ans plus tard, parce que c'est eux les champions d'Afrique antique des moins de 20 ans. Oui, devant la Gambie. Ils ont réussi une bonne Coupe du Monde de la catégorie, récemment du côté de l'Argentine. Mais ça reste une suite logique de cette pépinière sénégalaise, de cette formation sénégalaise qui porte ses fruits. Avec le pied gauche de Ismaël Jacob dans la sphère de réparation. Les Bénois intelligemment qui ressortent, mais le ballon finit dans les pieds de Formose Mendy et de Séni Dieng au niveau des transitions pour ressortir. Les Bénois ont besoin justement de mieux gérer leur possession de balle. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas perdre le ballon, il faut être précis dans la possession de ce ballon. Et sortir de façon beaucoup plus certaine. Regardez une nouvelle fois Rabiu Sankamau. Vous voyez la bataille qui se livre entre ces deux garçons-là. Hein. On en est au bras, hein, quand même. C'est un vrai combat physique. Le défi physique est installé de part et d'autre. Et les Béninois, ça fait plaisir de constater que ces jeunes, à l'image de Rabiu Sankamau qui a le ballon, tiennent et qui sont vraiment dans le combat. Un très bon choix de Rohr, hein, qui fait confiance à sa jeunesse et qui certainement va promettre d'ici quelques années déjà encore. Il faut passer par cette étape de reconstruction. Les cadres sont partis ou sont moins en jambes ou n'ont plus justement la fraîcheur physique. Il va falloir passer par cette case-là de la reconstruction, la longue transversale de dos, beaucoup qui cherchaient Chaudel dessous, mais l'anticipation de Formose Mendy, ça donne une entrée de touche pour Sankamau qui joue rapidement avec Dodo Doku. Jodel Dossou, le centre de Dossou. Là-bas qui traîne dans la zone de passion sénégalaise, Pape Gueye
qui va ressortir en s'appuyant sur pâté 6. Khaled Adenou. Rodrigue Kossi qui a cherché sur le côté. Simounier à la sortie de balle. Ce qui est intéressant, c'est quand le ballon revient ici, il est récupéré par le Bénin, mais on recherche Mounier sur le fond. Il n'y a personne qui l'accompagne sur la droite pour pouvoir lui permettre d'avoir un appui. Donc, c'est le moment d'injecter du sang neuf parce qu'on est déjà c'est le moment, à 66 minutes de jeu. À partir déjà de la 15e minute, il faut penser changer les garçons pour apporter du sang neuf, plus d'énergie et de volonté peut-être aussi. Ismaël Jacob qui cherche devant son partenaire et derrière la récupération des Sénégalais avec Pépin Diata qui parvient à servir Ismaël Assar. Assar et ses longues jambes, on sait qu'il est virevoltant quand il est en une de regarder, il fait jouer ses partenaires avec le capitaine Sadio Mané. Sadio qui va s'appuyer sur Ismaël Jacob, le relais avec Pépin Diata. Jacob, Mané, à toi, à moi. Ils mettent le pied sur le ballon, les Sénégalais. Mais le score est favorable, donc ils gagnent à ralentir le tempo béninois. Surtout que le Bénin est audacieux et volontaire. Donc il faudrait refroidir un petit peu ses ardeurs. Avec Ismaël Assar dans le cœur du jeu. On va s'appuyer sur son partenaire, Formose Mendy. Ismaël Assar à nouveau. Avec l'accrochage entre Dodo Doku et Ismaël Assar, le coup franc qui est accordé aux Sénégalais. Effectivement. Mais il y a une couverture de Sankamo, donc c'est intéressant de voir qu'il y a une pression défensive comme ça qui est présente. Mais je crois qu'il faut changer un petit peu. On est déjà presque à la 70e minute. Il y a du banc qui à tout moment peut rentrer et peut apporter une différence. Il y a le banc sénégalais qui est impressionnant. On espère que... Attention, il passe Ismaël Assar, heureusement, au niveau de la remise, le retour de Jodel Dessous, qui va dégager son camp. Abou Diallo, lui, de la tête, va accompagner le ballon pour Sénou Dieng. On parlait de gardien sénégalais avec Tony Silva, qui a excellé dans la CAN sénégalaise lors de la CAN 2002, la Coupe du Monde également. Où le Sénégal a atteint les quarts de finale face à la Turquie. C'est eux qui sont autour de l'équipe avec Lami Diata, grand défenseur de cette génération. Et là, il dit qu'on a vu au coup d'envoi de ce match. Aujourd'hui, le Sénégal, depuis chaque sec, n'a pas de problème de gardien. Doku qui a tenté quelque chose d'audacieux. Mais il obtient la faute, c'est l'essentiel. Effectivement, il est accroché, il est pris en épingle entre deux Sénégalais, c'est difficile de s'en sortir. Alors que là, on va certainement se dire engagé. Ouais. Pour une fois, il a réussi à mettre dans le vent le jeune Rabiu Sankamo, Ismaël Assar, pendant que les Sénégalais repartent. Pâté 6, qui s'appuie sur Pape Gueye, qui capte pour Ismaël Jacob. Pâté 6, il repasse par le buteur, Abdoulaye Seck, le relais avec Pépin Diata. Il retrouve Formose Mendy sur le côté. Diata à nouveau. Contré par Dodo Doku. La tête de Formose. Et derrière, c'est Pépin Diata qui cherchait Kapsar. Ou plutôt Ismaël Assar qui encore était en duel avec Sankamao. Sankamao. Je me demande si à ce niveau-là, il n'accuse pas un petit peu des crampes Sankamao. Hein. On voit que ça traîne un petit peu au niveau du milieu de terrain pour pouvoir faire une pression un peu plus haute, plus agressive. Et vous êtes entendu, enfin, il y a des joueurs qui font leur entrée. Adrias Kuntonji qui prend la place de Simounier. Ah, c'est une très belle pioche, l'entrée de Adrias Kuntonji, le joueur qui évolue du côté du stade Malherbe de Caen. L'entrée également de Marcelin Coupeau. Lui qui évolue du côté de l'Algérie, Marcelin Coupeau. Notamment le club sportif de Constantine. On va voir ce que l'entrée de ces joueurs va apporter en termes de fraîcheur. Attention à cette paire de balles pour les Sénégalais. Avec Sadio qui se retourne pour servir son partenaire. Mais il est contré par... L'habitude béninois.
avec déjà la première montée de balle. Non, c'est pas la première montée. Deux actions. Il y a là Tosi Aïgou. Il y a deux actions. Là, on avait le ballon et puis chaque fois, on essaie de partir en individualité alors qu'il faut la faire tourner, ce ballon. Vous voyez, on accuse déjà des crampes. Je crois que c'est Moumouni qui accuse des crampes. Donc, on est à un instant où la fraîcheur se fait, manque de fraîcheur se fait sentir. Et on voit la petite tape effective de Sadio Mané sur Rachid Moumouni. C'est passé furtivement. C'est une façon d'encourager la jeunesse. Son jeune adversaire. Tu me donnes du travail. Et la partie qui a repris avec ce public qui doit, à mon avis, accompagner l'équipe. Il ne faut pas être spectateur, il faut pousser cette équipe à la victoire. On l'a dit en 2009, c'était un public chaud. Et le 18 octobre 2018, on n'en parle pas, c'était vraiment un autre niveau de ferveur, ce stade général Mathieu Kirikou. Là, faute, semble-t-il, de Jackson sur Dodo Doku, le joueur de Villarreal qui a tenté. Je ne sais pas s'il y a une faute, on revoit encore une troisième fois ce ralenti là. Mais j'ai l'impression que. Alors, ce n'est à pas net. Avis, Serge Damari Mongwe, côté sénégalais, est-ce qu'il y aura de tout nouveau? Puisque jusque-là, il n'y a pas encore de remplacement. Là, ils ont un match de gala face au Brésil. On se souvient de ce match de très haut niveau, joué par cette équipe du Sénégal face au Brésil. Il y a cela au lendemain de la Coupe du Monde 2018. Et c'est une deuxième opportunité pour eux, le Brésil qui a été battu par le Maroc. Avant le Maroc. Le Cameroun à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que les Sénégalais qui ont longtemps été premiers au classement FIFA en Afrique ne vont pas chercher eux aussi à rentrer dans ce secteur fermé? Toutes des équipes qui sont venues à bout du Grand Brésil. Tout à fait, un Grand Brésil, c'est vrai, mais qui a ses failles aussi, ses fragilités. On a vu que le football africain commence à lui récupérer quelques plumes. William, tu l'as signalé tout à l'heure. Et aujourd'hui, le Sénégal est très bien placé, et très bien perché, j'allais dire, pour essayer de faire face à un Brésil ou en Argentine. En tout cas, c'est très bienvenu comme match amical. Mais à l'heure d'aujourd'hui, bon, peut-être qu'on va... Et le coach va changer quelques joueurs pour récupérer un petit peu de fraîcheur au niveau sénégalais. C'est quelque chose qu'il n'a pas fait jusqu'à maintenant. La partie reprend avec la bonne réception de Moumouni. Les Béninois avec Sankamo qui remet dans le paquet pour Marcelin Koukou. Récupération justement de Olaitan aidé par Koukou. Et les Sénégalais vont bénéficier de coup franc pendant que Paté 6 lui se tord de douleur et qui réclame justement à... C'est dommage, Olaitan qui a réussi à se positionner sur son pied droit et il y a un appel qui se fait dans l'axe, il ne la donne pas et lui-même il peut tenter une frappe, il ne le fait pas. Donc c'est un double handicap finalement qu'on souffre à ce niveau par ce manque de décision offensive. C'est Seignon qui est allé s'échauffer avec Youssoufa Soba et également Mathieu Arlenvi. Ça veut dire qu'il y a du changement dans l'air. Ah oui, on parlait de cette équipe sénégalaise, Alfred Gomis. Il est sur le banc de touche. Edouard Mendy avec Chelsea qui a une saison difficile. On annonce son retour dans le championnat de France puisque Chelsea a la recherche d'un gardien de but. Et voilà, c'est dire que le Sénégal aujourd'hui a un problème de riche avec ses 7m32. Une multitude de gardiens. Et ça repart avec Radou Sankamao. Il remet dans le papier le dégagement de Ismaël Assar, envoyé par la tête de Dodo Doku. Derrière, Andreas Mutondji qui va essayer de percuter le passage en faute de Mutondji. Et le retour en puissance également de Formose. Mendy, le joueur d'Amiens, c'est un duel de Ligue 2. Duel de Ligue 2, mais. Très belle audace, il a poussé Mendy à se jeter pour dégager ce ballon.
Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut essayer de forcer la chance ou l'opportunité ou la bénédiction. On appellera ça comme on veut, mais il faut au restant de 14 minutes, un peu plus de 14 minutes avec des arrêts de jeu, pousser au maximum et oser. Il ne faut pas oublier également l'objectif de ce match parce que dans tous les cas, demain, l'adversaire direct du Bénin a la qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est bien le Mozambique qui va jouer contre le Rwanda demain. Et si le score en restait là, je pense que ce sera, avant de jouer, entre guillemets, une bonne affaire pour les Mozambiquais qui ont 4 points à leur compteur. La victoire face au Bénin, le nul face au Rwanda, au match aller, ça leur donne 4 points. Le Bénin en a 4. Et si le Bénin ne prend pas de points ce soir, ça veut dire que la finale du côté de Maputo ou en Afrique du Sud, c'est pas où est-ce que le match va se jouer. Et bien, au mois de septembre, s'annonce avec un ballotage défavorable pour les Béninois. Peut-être défavorable, oui, parce que le Bénin est en train de ronger l'os dans la partie la plus difficile face à ce Sénégal. L'autre côté. Mathieu Arnaby et Stéphane Sessegnon pour peut-être aller chercher cette égalisation, pourquoi pas cette victoire. La victoire face à l'Algérie le 18 octobre, Sessegnon, c'était après une virgule incroyable sur la défense algérienne des Fenech avant de servir le milieu de terrain, Cécile d'Almeida qui a catapulté la balle au fond des filets. On le sait capable, Sessegnon, de ses exploits techniques. Le capitaine qui va certainement revendre le brassard, oui, il reprend son brassard et le cadre fait bien, le réalisateur, de nous montrer justement ce changement de brassard. C'est pas fini l'entrée. C'est Sakamo. Quel but de nulle part. Rachid Koulibaly qui allume. C'est Moumouni. Quelle audace. Quelle égalisation. Quelle audace. C'est remarquable, hein. Quelle belle frappe. Frappe croisée, hein, à la sortie, hein, on ne s'y attendait pas. Quel but. Quelle réalisation. C'est une victoire en soi. Ah, il faut revenir justement sur ce qui s'est passé. C'est vrai, il y a de la joie dans le public. Le ministre des Sports qui salue. Voilà. À la sortie, il ne se pose pas de questions, il frappe comme elle vient. Hein, Moumouni, comme elle vient. Moumouni. Et il surprend même le gardien, hein, dans cette initiative-là. Le Bénin qui revient de très loin. Incroyable. Très joli clin d'œil, hein, à la jeunesse finalement. C'est, hein, certainement la passation de charge entre l'ancienne génération et la nouvelle. Le joueur d'Ayéman, joueur du championnat local, qui pour l'instant délivre les guépards du Bénin. Incroyable. Ça va relancer complètement le match. La partie. On est à moins d'un quart d'heure de la fin du match. Il va falloir justement aller provoquer cet autre électrochoc en allant chercher pourquoi pas la victoire. Puisque le Sénégal aussi n'a pas dit son dernier mot avec les premiers changements. Pape Gueye est sorti, l'entrée de l'ancien Tchékou Kouyaté. Voilà, c'est eux, les cadres de cette sélection sénégalaise qui rentrent dans le match. Quel but, on va en reparler longtemps. Ce but du joueur d'Ayéma, Olaïtan, qui va écarter pour Andreas Ntondji, le plus qui retourne de la voix. Ntondji qui ne passe pas Formose. Derrière. Mais ça relance complètement le match, hein, avec ce but et cette ferveur dont tu parlais tout à l'heure, ces supporters qui devaient encourager donc l'équipe nationale. On les voit un petit peu régénérés. Et le ballon négocié par Sakamao et cette attaque sénégalaise, béninoise est bienvenue. Action un peu confuse avec Coupeau qui se fait contrer. Lui aussi, hein, qui est passé par le championnat, par Energy Football Club, il est passé par les Buffs du Borgou. Il était de cette campagne de 2018 de la Ligue des Champions africaine face à la SEC d'Abidjan, joué avec Rodrigue Kossi qui est sur le terrain. Donc finalement, des joueurs qui sont révèle. Passés par le CRU. Qu'est-ce que tu faire de balle derrière la possibilité pour Jackson d'allumer et voilà
quel retour de la défense est bien joué de la part des défenseurs béninois sous ce coup, parce que là c'est une énorme perte de balle dans le énorme du jeu. Énorme, parce que nous avions le ballon, était en situation offensive. Je ne sais pas pourquoi ce retour et cette passe un petit quai qui m'est venu, qui est un petit peu faible. Oui, semble-t-il c'est aussi Aïbou qui a tergiversé un tout petit peu et ça donne un corner. C'est que les Sénégalais sont dangereux sur coup de pied arrêté. Ils ont des joueurs qui sont athlétiques. Et Ismaël Assar qui va s'occuper de ce corner. Tchékou Kouyaté qui vient de faire son entrée. Et lui hein, qui est un spécial de la Premier League, pendant qu'on revoit ce but venu d'ailleurs. Une vraie délivrance. Une vraie bombe. Oui, voilà. Un boulet de canon. Attention là-bas qui termine la phase de réparation. C'est Seignon. Attention, il faut se dégager. C'est Seignon qui s'appuie sur Mathieu Arlindi. Et derrière, ça repart avec Srabou Sankamao. À la faute qui est sifflée contre les départs. Ah oui, on voit ce duel entre Marcelin Koukou et le nouvel entrant Pape Ousmane Sako, côté sénégalais. Encore 8 minutes à jouer pour la fin du temps réglementaire. Un but partout entre le Bénin et le Sénégal. Troisième but encaissé par le Sénégal dans ses éliminatoires en 5 journées des éliminatoires. Désormais, ils sont à 13 points. Les coéquipiers de Ablaye Seck, buteur pour l'instant du Sénégal cette soirée, avec Ousmane Sako qui se fait chipper le ballon par les Guépards. Le coup de sifflet. 8 minutes, c'est très très long et c'est très très court à la fois, n'est-ce pas? Ça dépend où est-ce qu'on se place. Mais on voit sur ce ballon ce marquage oui, de Mathieu Arnaud qui est très bienvenu, hein, qui ne laisse pas le temps de penser, de réfléchir, de se réorienter, et qui fait qu'aujourd'hui le Bénin a un ballon qu'il ne faut pas perdre encore une fois et se jeter vers l'avant. Là est un junior qui va apporter le ballon. La but qui apporte la faute au départ avec Mathieu Arlindi qui va se positionner. On voit le Jalen Jackson et Junior Laitan. Les juniors sur ce deuxième ballon, le deuxième touche, ils pouvaient la donner là pour éviter la faute. C'est Seignon la frappe. Envoyé par la défense. Deuxième chance pour le capitaine Benoît qui écarte sur le côté pour Rachid Moumouni qui ne pourra pas maîtriser son ballon. Balle qui lui a été remise dans des conditions un peu difficiles, un peu compliquées. Il y a un joueur béninois au sol. Alors, c'est bien Junior Laitan. Trempé parce qu'il y a eu cette grosse débauche d'énergie. Il a fait un gros match numéro 18 des Guépards. Je parlais justement de ce junior juste sur ce dernier ballon là où il peut sur une opposition, il a eu l'avantage du ballon. Il aurait pu alimenter sur cette action là Moumouni et ne pas essayer de la contrer davantage. Ça aurait pu permettre de mieux évoluer hein, sans être amené à essayer de sauver un ballon qui était quasiment perdu. On parle de ces matchs des éliminatoires. Il y a la Côte d'Ivoire qui s'est lourdement inclinée du côté de Nzola. C'est du côté de la Zambie, 3-0. La Côte d'Ivoire qui a créé la CAN qui chute lourdement. Ce n'est pas de bon augure en termes de confiance, mais c'est ça, les matchs des éliminatoires, c'est difficile d'aller jouer sur les terrains des Africains, il faut le rappeler. L'Afrique du Sud qui a battu le Maroc, c'est vrai, une équipe du Maroc est maniée, mais ça annonce les couleurs de ce que sera cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisque il y a des équipes attendues qui ont fait une excellente Coupe du Monde. On pense naturellement au Maroc, dans une bonne mesure le Sénégal qui doit défendre sa couronne. Mais il y a aussi des équipes qui sont là, qui cherchent leur qualif, comme le Cameroun n'est pas encore qualifié, la Côte d'Ivoire, l'Algérie qui, après sa désillusion de 2022, va revenir avec de nouvelles intentions. La Tunisie est là, l'Égypte qui a battu la Guinée vendredi 2-1. Donc il y a vraiment
Voilà les attaquants Habib Diallo de Strasbourg qui va faire son entrée et Idrissa Gana Gueye. Et qui rentre relativement tard quand même. Hein. Oui. Qui rentre très tard, le match est presque plié au bout de... Il reste 8 minutes avec les arrêts de jeu, 8-9 minutes. Et donc, cette approche... Mais très détendu quand même hein, quand on voit l'attitude de Idrissa Gana Gueye qui a marqué le but du Sénégal face au Bénin lors de la CAN en Égypte. Le but qui a qualifié les Sénégalais pour la demi-finale. Joué face à la Tunisie. Voilà, le voici Idrissa Gana Gueye, cadre de cette sélection qui évolue du côté d'Everton, qui est passé par Diemba, on l'a dit. Il est passé par la France, notamment Lille. Kiko à la lutte avec la défense sénégalaise. Il va écarter sur le côté pour son partenaire, les Sénégalais qui récupèrent avec ce ballon pour Sadio Mané. Le tacle énergique de Rachid Mounouni derrière Olaitan qui va temporiser et s'appuyer sur son partenaire Rachid Mounouni. Quel super centre tendu directement dans les gants de Sénou Dieng qui va relancer Abou Diallo. Cheikou Kouyaté, Formos Mendy qui prolonge pour Papus Mansako qui va repasser par Pate 6. La déviation, mais belle interception de Rachid Mounouni. C'est Seignon qui prolonge pour Koupo. Les Béninois avec Marcelin Koupo. La remise pour Laïtan. Écart pour Rabiou Sankamao qui va prendre l'espace. Sankamao qui s'appuie sur Tosin Aegu. Et derrière. Je vois qu'à deux reprises, l'arbitre ne siffle pas un petit peu des fautes qui sont faites sur le Bénin, notamment cette dernière. Hein. Et c'est un petit peu dommage. Hein. Et quel match de Rabiou Sankamao sur son côté gauche, le pendant de Rachid Mounouni, qui a conclu sa prestation avec ce but venu d'ailleurs, mais également le natif de Boubou dans la commune de Djibou, il faut le dire. Parce que là, c'était ça donne la grande joie de voir leur fils à ce niveau. Attention tout de même, puisque les Sénégalais sont très dangereux à l'image là de Habib Diallo, on l'a dit, avec Abdoulaye Dia, qui lui ne fera pas certainement son entrée dans ce match. Sont les avant-centres de métier de cette équipe des Lions de la Teranga. Effectivement, une pénétration de Diallo, mais bien signalée hors jeu, hein, de bien 2 mètres. Donc ça nous permet de se dégager. Il nous reste très peu de temps. Il faut les optimiser et maximiser ce temps. On voyait donc les cartouches devant pour voir si un miracle s'opère. On est quasiment à la fin de ce match. Bientôt, le temps additionnel va afficher l'habit de touche. Mathieu Arnindi qui va écarter pour Rachid Mounouni, le buteur béninois pour l'instant. À chaque fois qu'il a le ballon, désormais, le public qui applaudit, puisque pour l'instant, c'est lui le messie de la formation des Guépards ce soir. Dans ce match au sommet de la cinquième journée de l'éliminatoire. Surtout de la... c'est un local, il est jeune, donc fait partie de la nouvelle garde, les prochains loups, les jeunes loups. Et c'est très bien lui. Il a son tendu. Il s'appuie sur le Laïkan qui a vu ses saignons, qui est capable pour Mounir Rachid. Le relais avec Mathéo. Le Laïkan, ses saignons. Mounir Rachid, à toi, à moi. Le bon gestement d'Ablaï Sek, les Sénégalais avec Habib Diallo. Et Formos Mendy, il ne pourra pas trouver sur le côté Idrissa Gana Gueye. Ce qui est remarquable, c'est quand même ce travail qui est fait au niveau de l'équipe béninoise. Le match est quasiment terminé. Il n'y a plus d'énergie, mais on trouve la force mentale, la force morale pour pouvoir aligner des passes qui sont relativement précises et toujours se projeter vers l'avant. À tel point que même la défense sénégalaise est obligée de jouer d'imperfection avec cette passe manquée. Donc c'est un petit peu très favorable hein, au niveau du Bénin d'aborder ces derniers instants avec cette envergure-là et cette motivation. Ah, il a beaucoup couru,
l'ancien joueur de Ayema, qui semble-t-il a un problème musculaire, puisqu'on demande à la CD des sapeurs-pompiers de venir l'amener au terrain. Et Dana Gueye et Sadio Mané qui échangent les cadres de cette sélection sénégalaise. Bissa Dana Gueye qui a bien porté cette étoffe pendant la Coupe du Monde au Qatar avec Idrissa Sarr et Khalid Koulibaly. C'est la colonne vertébrale de cette sélection sénégalaise qui, évidemment, est passée au premier tour dans un groupe qui comptait, bien entendu, les Pays-Bas, le Qatar, mais également les Sud-Américains de l'Équateur. Ils se sont bien sortis contre l'Équateur, d'ailleurs. Alice Mendy, le joueur de Leicester City, au cadre de cette sélection qui va juste enfouler la pelouse du Stade Général Mathieu Kérékou, puisque le match est terminé. On l'a dit clairement, les Sénégalais se projettent sur leur prochaine sortie face au Brésil. Et un autre joueur de la QV 2023, des juniors 2023 à la CAN, Hassan Imran, qui s'apprête à faire son entrée. Et voilà, jusqu'au bout, on aura véritablement fait confiance aux jeunes. Et on a eu Imran raison. Imran Hassan, sociétaire de l'Auto Football Club de Grand Popo. Et le sélectionneur aura eu raison, parce que c'est un nouveau souffle, un nouvel élan. Un nouveau cycle qui démarre pour ne pas avoir des s'arrêter seulement sur les générations qui ont prouvé, bien sûr, mais qui ont également beaucoup à offrir de leur expérience en incorporant, en côtoyant les nouveaux talents. Ablaye Seck qui va s'appuyer sur Nampalis Mendy, qui va toucher son premier ballon. Bissa Dana Gueye, servi par Nampalis Mendy. Le milieu sénégalais habituel se reconstitue avec ce décalage sur le côté. Le centre de Sadio Mané à destination d'Abdou Diallo et la bonne anticipation du gardien. Encore moins de 2 minutes à jouer pour la fin de ce match. Alors, visiblement, le Bénin qui préfère se contenter de ce nul, parce que là, finalement, est-ce qu'un score qui fait la paix du Bénin, parce que sur l'arrêt du gardien, il a grignoté quelques secondes. On verra ça demain, mais ce qui se passe face à un Sénégal de cette envergure, faire un nul et emmener 1-0 à la maison, c'est déjà une victoire. Quelque part, c'est une victoire. Maintenant, il faut un petit peu espérer que le bonheur, la chance, va jouer en faveur du Bénin à travers le match de demain. Donc, mais pour aujourd'hui, on n'a pas gagné 3 points, mais on arrive à afficher 1 point devant quand même. On n'a pas perdu non plus, on n'a pas perdu 3 points. On est peut-être en train de perdre 2 points. Le dégagement de Sankamao directement sur Aliou Cissé, lui qui était de cette QV 2002 des Lions du Sénégal, qui a émerveillé le monde avec cette génération dont on essaie de parler, qui se retrouve autour de l'équipe. Et lui qui va disputer sa 4e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire après le Gabon, l'Égypte, le Cameroun. Il va retrouver la Côte d'Ivoire, 2 Coupes du Monde. C'est un modèle de stabilité et de confiance. Ouais. Les Bénois qui eux aussi font tourner le ballon à l'image là de Rachid Moumouni, qui va repasser par Verdon, qui joue avec son capitaine. Le long dégagement, mais qui pourrait être favorable pour Poupeau, mais les Sénégalais se dégagent par Ismaël Jacob. La remise pour Maté Arlenvi qui va percuter, mais ne passera pas. Le bloc défensif sénégalais qui est bien en place. C'est donc terminé depuis 17 secondes. Monsieur Ndala ne va pas hésiter à mettre fin à cette partie. Nampalis Mendy dans le cœur du jeu, qui passe par Sako. Mendy, Sako à nouveau sur le côté. Attention à ne pas perdre sa concentration en cette fin de match, avec les Sénégalais qui sont toujours maîtres du ballon, qui continuent de faire tourner. Dana Gueye qui s'appuie sur Abdou Diallo. Et c'est donc terminé sur ce score d'1 but partout.
Le Bénin qui récolte un précieux point face à la machine sénégalaise. Machine sénégalaise, surtout en fin de partie, il va falloir justement suivre de très près ce qui va se passer du côté du Mozambique et du Rwanda et attendre septembre pour voir si le rêve béninois va se concrétiser à savoir être du voyage de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire machine de guerre sénégalaise au vu des résultats de ses prestations et aujourd'hui c'est quand même un résultat qui demeure favorable. On était mené, on souffrait un petit peu de cet handicap là, on arrive à revenir et en deuxième mi-temps on gagne quand même à travers un football qui est plus audacieux, qui est plus précis et finit par porter ses fruits à travers ce but de Moumouni. Donc voilà. Hein, résultat semble-t-il positif, même si on cherchait quelque chose de plus alléchant encore après une victoire. Mais on reste sur un match nul qui peut être constructif pour le dernier match. Merci à vous, Serge Lamaré Mongwe. Merci donc vous aussi, chers téléspectateurs, de votre position. C'est donc terminé. On vous laisse en compagnie du plateau reporter pour tirer les conclusions de ce nul du Bénin face au Sénégal. Un joueur, Rachidi Boumouni, une frappe surpuissante qui résume à elle seule la deuxième partie de ce Bénin-Sénégal, plein de défis physiques, plein de duels et plein d'agressivité. Mais le Bénin a réussi à arracher le point du nul face à l'ogre sénégalais. Ça va se poursuivre demain. Bien sûr, le résultat du match Rwanda-Bénin sera suivi de très près. Edmé Kodjo, on a vu une équipe béninoise, j'ai envie de dire, métamorphosée, transcendée en deuxième partie et presque à force égale avec le Sénégal. Voilà, une équipe béninoise qui retrouve le sourire, ce qui est... Regardez le tableau de classement actuellement avec un Sénégal 13 points désormais, le Bénin 5 points, le Mozambique 4 points et le Rwanda 2 points. Voilà, on a l'impression qu'on entend 13, 5, 4, bon, on pourrait se demander ce qui se passe, mais ce qui est important pour le Bénin, c'est le match de ce soir, c'est de pouvoir arracher cette égalisation qui nous projette déjà vers la Côte d'Ivoire. Et mieux, je pense qu'à la mi-temps, l'entraîneur a pu rétablir la confiance. Et au-delà du but qu'on a encaissé, l'entraîneur a pu trouver des mots pour lui dire que là, ça, de continuer, ça va venir parce que ça les a transcendés. Et je pense que cette équipe, quand ils jouent en attaque placée, à savoir garder, donner, circuler, je pense que vraiment ça a payé. Et je pense que le staff qui a observé ce match à la mi-temps, qui a décortiqué et qui a fait des propositions à travers l'entraîneur, a fait du bon travail. Les joueurs ont suivi les consignes à la lettre et en jouant en attaque placée, en ne jetant pas les balles, ça a payé. Je pense que c'est de bon augure pour la suite des événements et je pense que le Bénin, en continuant de travailler comme ça, pourra retrouver une équipe compétitive pour la prochaine CAN. Pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on va voir avec la réalisation et ça va nous permettre de boucler ce plateau. L'ensemble des temps forts de cette rencontre Bénin-Sénégal, on démarre par la première partie. On avait vécu toutes ces actions et ce but d'Abdoulaye Seck, donc de la 43e minute. Après, il y a eu la mi-temps, vous l'avez dit, coach, qui a permis aux joueurs de retrouver une seconde fraîcheur et une seconde détermination pour venir défier cette équipe du Sénégal en deuxième partie. Une deuxième partie pleine d'enseignements, surtout Rolando Kouchan. On a vu l'apport des jeunes aujourd'hui parce que Guenotro veut une équipe complètement rajeunie et on sent que pour un début, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Je crois qu'on a suivi une deuxième partie très intéressante avec l'envie des jeunes. Ils ont fait moins d'erreurs qu'au niveau de la première partie. Et comme le coach Edmé l'a dit, je crois que les enseignements ont été tirés à la mi-temps. Les consignes précises ont été données et les jeunes ont essayé de respecter ces consignes-là. Je crois que c'est... Et ce but, c'est incroyable. Il faudra peut-être le flasher avec le temps et la vitesse du ballon parce que c'est une frappe surpuissante. Céline Dieng en est complètement... Ce but-là rappelle le but marqué par le regretté Fousseni Lazadi face au, je crois, au junior nigérien. Ouais. Oui, exactement, une frappe venue d'ailleurs et qui a floré des trucs. Donc, je crois que ce qui est à retenir, c'est que désormais, le Bénin garde son invincibilité à domicile face au Sénégal. L'histoire n'a pas bégayé. Un but partout et ça nous maintient dans l'espoir
d'une qualification et donc c'est désormais possible si ça continue comme ça, je crois que oui, on peut créer la surprise en septembre prochain. Alors coach, l'une des bonnes nouvelles dans cette deuxième partie à souligner, c'est que les Guépards ont réussi à répondre à l'impact physique imposé par les Sénégalais. On a vu des garçons comme Rabiou Sankamao, on a vu des garçons en milieu de terrain. Il y a eu du répondant physiquement, c'est allé presque à force égale. Parfaitement, et puis la seconde mi-temps était béninoise, hein. Il y a eu beaucoup d'agressivité constructive, positive. Il y avait ce match entre Sakamayo et son opposant direct Ismaël Assar qui n'a pas eu d'option, qui n'a pas eu d'ouverture en deuxième mi-temps, alors qu'en première mi-temps on a vu qu'il nous a fait très 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 mal, notamment avec cette frappe sur le montant. Donc une deuxième mi-temps béninoise à travers une conservation du ballon qui était mieux affermie, qui était mieux négociée, et puis cette audace qui nous a un petit peu manqué au départ. On avait vu qu'il n'y avait pas d'approche offensive en première mi-temps, en deuxième mi-temps cette frappe qui vient de nulle part à travers une jeunesse trop pleine de fougue nous rappelle qu'effectivement il faut essayer, il faut tenter et forcer la chance. Donc moi je reste sur une approche favorable tout comme le coach, positive et puis très ambitieux encore pour le prochain match parce qu'au football tout est possible et encore une fois le ballon est très très, très capricieux. Alors on va se quitter avec ce dernier tour de table. Coach, quels sont les enseignements à tirer pour Guénot Roy et pour l'ensemble de l'effectif béninois? Je pense que cette métamorphose à la mi-temps montre déjà que vraiment les enseignements sont clés. Mais attention, il ne faut pas que, souvent on a une habitude au Bénin, quand on veut jouer contre les grands, on s'y met à fond. Et quand on joue contre des gens, on se dit, bon, qui n'ont pas une traçabilité ou bien qui ne sont pas vraiment trop... On baisse la garde, donc il faut éviter ces erreurs prochainement, de ne pas, quand on va dire Mozambique, Rwanda, de ne pas prendre le match, la rencontre à la légère, et de pouvoir toujours s'appliquer et de penser que nous, on a de l'avenir devant nous, il va falloir travailler pour bousculer les autres. Rolando Couchant. Moi, je crois que le coach a complètement raison. Souvent, lorsque nous faisons le Bénin fait face à une équipe de la même trempe que lui, ça lui pose problème. Et face aux grandes équipes, on se donne comme les jeunes se sont donnés. J'espère qu'en septembre prochain, ils vont considérer effectivement comme le Mozambique, comme le Sénégal, ou bien comme l'Algérie, et jouer comme ils ont joué ce soir. Et je crois que on peut espérer gagner. C'est déjà heureux de voir que les jeunes sont en jambes pour cette partie. On va espérer qu'en septembre, ils seront en jambes et qu'il y aura moins de blessés du côté du Bénin pour qu'on puisse avoir tout le monde. Voilà, donc on aura pratiquement toutes les forces vives pour pouvoir faire face à cette ultime étape. Serge Lamar, votre mot de la conclusion. Moi, je dirais que le sélectionneur Roy est sur la bonne voie avec ce nouveau souffle qu'il essaie d'incorporer au niveau de l'effectif à travers la jeunesse sur laquelle il parie. On a vu qu'aujourd'hui, elle a très très bien répondu entre Sankamao, entre Moumini. C'est quelque chose qui est remarquable. Et aujourd'hui, on tire le fruit d'un travail qui est bien amorcé. Bon, maintenant, c'est vrai que demain, on va affronter une équipe qui aura peut-être moins de brio qu'un Sénégal. Mais encore une fois, un match n'est jamais gagné par avance. Il faut aborder l'adversaire avec autant de respect, ténacité, ambition, agressivité constructive que cela impose pour tirer la victoire, pour obtenir la victoire. Merci beaucoup à vous, Serge Lamaré Mongbe. Vous avez commenté ce match en direct avec William Bassabi. Il y a eu également Rolando Couchant qui a porté le regard de journaliste sportif sur cette rencontre Bénin-Sénégal et Edmé Kodjo, ancien sélectionneur national du Bénin, qui a décortiqué cette rencontre avec nous. Merci d'être passé à vous trois sur ce plateau pour partager votre expérience et votre expertise autour de cette rencontre Bénin-Sénégal. La course n'est pas terminée, elle va s'achever avec un déplacement le 4 septembre prochain du côté du Mozambique où les écureuils iront livrer, quelle que soit l'issue du match Rwanda-Mozambique demain, iront livrer la finale le 4 septembre prochain parce qu'il faut que ça passe. Et les écureuils en ont les moyens, ils l'ont prouvé ce soir. Les guépards, pardon, en ont les moyens, ils l'ont prouvé ce soir, la finale. C'est pour le 4 septembre. On va avoir, on va dire, et souhaiter beaucoup de courage et de chance à cette équipe des guépards du Bénin. Beaucoup de travail aussi à côté pour aller chercher cette qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. D'accord.